pas une décision qui a été prise au huis clos. On ferme le... Est-ce qu'on veut retourner après? Pour 5 minutes pour discuter la prochaine réunion de huis clos. Alors, on va retourner en huis clos à la fin de la réunion pour décider une date du prochain huis clos sur le même sujet. Alors, on continue. On fait les annonces. Je ferme le huis clos. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour lire? Monsieur Zant, on ferme le huis clos. Dormiez-vous, là, monsieur Zant? Non, non, je propose qu'on ferme le huis clos. C'est un secondaire, monsieur Grimard, merci. Ouais. Tout le monde en faveur. Bon. On est obligé de rouvrir l'autre meeting, là? Ou si on continue? OK. Les annonces. La première annonce, je suis fier à faire, c'est pour Gabrielle Goulet, si elle voudrait se lever, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous aimerions, peut-être qu'on peut féliciter une résidente, mais surtout une employée de la cité de Clarence Rockland. Gabrielle Goulet est native de Bourgette et le 7 mai dernier, elle a remporté le trophée Tri-Or lors de la 8e édition du Gala Tri-Or dans la catégorie prestigieuse « Meilleure interprète féminine ». Son parcours a véritablement commencé avec la sortie de son premier disque en novembre 2011, a suivi alors des apparitions télévisées et des spectacles sur plusieurs scènes importantes. En 2013, Gabrielle a lancé son album « Papillon » et a amorcé une tournée en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Depuis ce temps-là, elle n'arrête pas d'être nommée pour des prix et de présenter des spectacles. Gabrielle Goulet travaille également à la garderie Sacré-Cœur et chante pour nos amis de la garderie. Merci beaucoup. Juste aux gens du quartier 7, ne pas oublier la réunion de la planification stratégique le mardi, le 26 mai à 19h au centre Alphonse Carrière. Merci. Autre annonce? Moi, c'est juste, j'ai une autre annonce. Ça concerne l'Écho La Rose qui était supposé être fait par les comtés. La semaine passée, ça a été annulé. On a mis une fin à ça. Ça a été voté dessus par tous les maires. Il y avait 4 millions de dollars mis en réserve. Ça a été voté que ce 4 millions retourne à toutes les municipalités. Et puisque c'est nous que, d'habitude, on paye les plus grosses factures, mais cette fois-ci, on va chercher le plus gros montant, parce que ça va par assessment. Alors, le montant qui nous revient, ça va être 1,122 millions. Alors, ça va être remis par les comtés. Et puis, je vois certaines personnes autour de la table qui pensent qu'on va se garocher dans un magasin de bonbons comme les enfants, là, mais je pense pas que c'est ça qui va arriver. une suggestion que je veux vous faire, moi, on peut le séparer en 4 puis mettre 4 réserves pour les prochaines 4 années, à être dépensé selon si on a des urgences, quelque chose de même. Ça va être fin d'avoir une petite réserve à la place d'avoir un sac de bonbons, hein, M. Levert. D'accord, M. le maire, mais je pense qu'on a beaucoup d'urgence quand même. Ben, on en discutera. Merci. Oui, parce que le 26 mai, ça va être la semaine prochaine. C'est votre district, monsieur. Oui. Alors, juste une petite annonce. Il va y avoir une rencontre au sujet de la rue Caron. Ceux qui veulent être au courant de la progression des travaux et de ce qui se passe dans les prochains mois à venir. La rencontre est le 26 mai à 19h à la salle Optimiste. Pardon?
Le 10 juin? OK, mon erreur. Le 10 juin, toujours à la même heure? OK, le 10 juin à 19h à la salle optimiste. Merci. Merci d'avoir corrigé. Autre annonce? Alors, on va à la période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des périodes, venez-vous au micro ici, en avant ici, M. Jérôme. Donnez-moi votre nom puis votre adresse avant de commencer. Au micro. C'est un homme d'importance, là. André Jérôme Bourgette. J'ai des troubles avec la piste de VTT, moi. Je me suis fait voler mon set de roulettes par la piste de VTT. Et puis je promène par la piste de VTT dans mon champ quand il y a la chasse au canard. Ça fait des rainures partout dans mon champ avec le truck. Il jette des branches dans le fossé. Et puis, il y a 5 jeunes qui étaient avec des VTT qui s'en allaient pour voler mon can de gaz après mon tracteur, puis j'étais à 5 arpents de là. Et puis, les VTT, ils élargissent toujours leur trace. Là, je suis plus capable de sortir de ma récolte par ce chemin-là. Il a fallu me faire un chemin spécial. Ça m'a coûté 2 000 $ pour me faire un chemin spécial. Ça m'allonge 2 fois 8 arpents pour aller chercher ma récolte. Fait que je vous demanderai de farmer ce chemin-là encore. C'est l'État formé, puis je vous demanderai de le refarmer. Commentaire? Là, j'ai un rapport de police ici pour le rapport avec la carte qui m'a donné. OK. Vous résidez sur quel chemin? Pardon? Le nom de la rue, André? La rue que tu restes dessus? La piste de VTT? Oui. Mais c'est sur le chemin Boileau ou concession 2, tu vois. OK. OK. Ça, vous allez voir M. Rivard et M. Jérôme, là, ici au bout. Là. Pardon? M. Rivard. M. Rivard va vous donner une réponse, là. Non, il reste pas le chemin de la Londres, l'autre chemin. C'est l'ancien conseil qui l'a ouvert, puis j'aimerais bien vous autres que vous le fermiez. Vous êtes capable de le faire. Fait qu'il y a des troubles de main, là, j'en veux plus, mais... Monsieur Rivard? Monsieur Rivard, j'ai déjà eu des discussions avec Monsieur Jérôme. Alors, il voulait adresser le conseil à cet effet-là. Alors, comme que j'ai mentionné à Monsieur Jérôme, c'est sûr qu'il y a un chemin fermé de la municipalité. C'est un chemin qui n'est pas carrossable. Par contre, c'est un chemin qui est utilisé par le club de VTT. C'est malheureux qu'il s'est fait voler des équipements. On ne peut pas dire que c'est des membres du club de VTT qui auraient fait ça. Alors, comme il y a quand même des gens qui circulent sur nos chemins fermés, c'est juste qu'ils le font à leur propre risque. Alors, je m'en vais véhiculer le message au club de VTT. Généralement, les clubs vont rester sur les sentiers désignés. Ils ne vont pas sortir des limites des sentiers. Par contre, il y a plusieurs autres usagers ou enthousiastes qui vont circuler sur les chemins fermés. S'ils ne sont pas des membres du club, à ce moment-là, ils sont plus ou moins à leur propre risque aussi. Là, s'ils circulent hors sentier, ils sont responsables, ils sont passibles d'amende s'ils se font intercepter par la police. Je ne peux pas dire que j'ai une bonne réponse pour vous, là. Pardon? Je ne peux pas dire que j'ai une bonne réponse pour vous, parce que j'en ai pas. Vraiment, c'est dans la main de... C'est la police, il faut qu'il s'en mêle, parce que... Bien, la police, je fais venir la police, j'ai la carte 7. Oui. Et puis, le rapport de... Ils m'ont dit de... S'il y avait quelque chose d'appeler, il y avait le rapport chez eux, là. C'est la police de Rutland. Oui. Non, je suis d'accord avec vous, M. Jérôme. Je suis d'accord avec vous. M. Rivard va regarder encore là-dedans, voir s'il nous ramener un rapport, laisser savoir ce qu'il y en a, M. Levert. Notre chemin, c'est un chemin qui n'est pas fermé, vraiment. C'est un chemin quand même qui est carrossable ou pas carrossable du tout? C'est un chemin fermé de la municipalité. Alors, il n'y a aucun entretien fait par la municipalité. Mais ce qui est carrossable? Par contre, le fond appartient à la municipalité. Alors, okay. Il y a des véhicules, il y a certains de nos chemins fermés que tu peux circuler en véhicule. Okay. Il y en a d'autres que tu ne peux vraiment pas parce qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a aucun service, il n'y a aucun entretien sur ces parties de chemin-là. Par contre, les clubs, il y a plusieurs clubs qui utilisent nos chemins fermés.
Alors, ils les entretiennent, ils vont peut-être faire de la petite maintenance, ils vont arranger les endroits où ce que c'est que c'est moins carrossable pour que les clubs soient capables d'accéder sur ces chemins fermés-là. OK. Moi, je pense, M. le maire, il faudrait prendre en considération, quand ça affecte un de nos résidents, spécialement un cultivateur comme ça qui utilise ce chemin-là, puis si dans le chemin est dans un état pitoyable où le tracteur peut passer, c'est correct, mais si ça commence à affecter nos résidents de même, il faudrait considérer soit l'utiliser saisonnier, un VTT en été peut aller un peu partout, la motoneige l'hiver, c'est un peu limité, il ne peut pas, c'est sûr, se rendre et aller voler des affaires, comparé à un VTT qui peut avoir un trailer après, en plein été. Je ne sais pas, il faudrait vraiment considérer, afin de protéger nos résidents à ce niveau. Est-ce qu'on pourrait demander au club de VTT de nous donner un coup de main ici? Parce qu'après tout, si on voit que ça vient pire, tout bien que la seule solution qu'on va avoir, c'est de fermer le chemin pour être capable d'aider à monsieur. Monsieur, il n'est pas trop large, je l'ai rencontré samedi, monsieur, juste à donner avec. Et puis là, bien, je vais avec, c'est Stéphane Fillion. Et puis là, bien, ils ont dit ça, que c'est élargissé tout le temps, puis ils ont mis des rubans pour fermer ça, puis... OK. Fait que là, oui, monsieur après ça, il en plaît. C'était justement ça, ma suggestion, monsieur le maire, c'est que c'est les clubs, que ce soit autant le club de motoneige que le club de VTT, ils ont des patrouilleurs volontaires. Mais là, dans ce cas-ci, s'ils vont en chasse aux outardes, j'imagine, dans le champ, là, c'est à ce temps-ci au printemps de bonheur. Puis c'est le pire temps pour maganer le champ. Ah, je suis d'accord. S'ils ne sont pas capables de respecter les champs des agriculteurs, peut-être la meilleure chose à faire, c'est de fermer le chemin. Là. C'est tout ce qu'il y en a. Là. Alors, je pense que les clubs qui utilisent nos chemins, je veux dire, c'est sûr qu'ils vont mettre des efforts pour s'assurer que les membres. Oui. Puis peut-être qu'on devrait les avertir. Des membres des clubs. C'est comme n'importe quoi, ils ne peuvent pas être là tout le temps. Par contre, c'est sûr que si on leur demande de peut-être mettre des rubans pour faire sûr que les sentiers sont respectés, oui. Ben ça, c'est un pas dans la bonne direction. Okay. Même ceux qui étaient dans le comité, ils n'ont pas respecté ça quand ils ont voté pour leur ouvrir. Ils ont passé dans mon champ à 8 tapements de long, puis ils ont coupé ma clôture pour sortir de là parce qu'ils n'étaient pas capables de sortir. Alors, il a fallu qu'ils retournent dans une autre place, là, mais depuis ce temps-là. OK. Mais là, on va travailler avec le club. Puis si on voit que ça ne va pas de l'avant, M. Jérôme, bien, on prendra d'autres solutions pour faire la meilleure solution, c'est vous autres, vous l'avez. C'est l'autre conseil qu'ils l'ont voté pour qu'elle rouvre. Vous autres, vous êtes capables de voter pour qu'ils ferment. Oui, mais on va travailler avec les VTT avant de faire ça. Parce qu'avant ça, jusqu'à avant, l'autre, avant qu'elle rouvre. Fait que des troubles de même. Oui. Mais ben, laissez-nous travailler avec le VTT. Qui c'est qui va payer mon chemin que j'ai fait, puis mon set de roulettes? Mais ça. Là, je suis obligé de dépenser de l'argent. Oui. On va regarder là-dedans, mais on va vous en donner des rapports. Vous allez me payer oui. Ça? Oui, Mme Choyer. M. Rivard dit que le chemin est ouvert, mais puis vous dites que le chemin est fermé. Alors, est-ce qu'il est fermé? Il est ouvert. Non, vous dites qu'il est ouvert, puis vous dites qu'il est fermé. Mais est-ce qu'il est ouvert présentement ou pas? Il est ouvert pour les VTT. Alors, il y a une pancarte qui dit que c'est ouvert, ça, que c'est accessible aux VTT. C'est un chemin fermé de la municipalité. La municipalité ne fait aucun entretien sur ce chemin-là. Mais ça fait partie du trajet régulier qui a été approuvé pour les VTT le club qui a décidé que... C'est un sentier qui a été désigné accessible aux VTT. Depuis combien de temps? Ça fait probablement, moi je dirais environ 8 ans, pas loin de 8 ans. Puis sur 8 ans, M. Jérôme, combien de fois qu'il y a eu des incidents? 3 ans déjà, OK. 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 Alors, il faudrait voir. Si on décide de garder le chemin disponible pour le VTT, mais il faudrait trouver une façon de compenser financièrement, monsieur. Oui, monsieur Lavert. Monsieur Rivard, la question qui tue. Un chemin public, vous dites que c'est accessible pour les VTT. Ce n'est pas accessible pour les VTT seulement. C'est accessible à tout le monde. Oui, c'est... Aucun cultivateur qui venait chez nous, ni les chèvres, ni les chèvres, sont capables de circuler pareil, sans venir chez nous. C'est pour ça qu'il s'est formé de la même. Là, on est à l'ouest,
là, les caméras circulent, puis là, c'est là que c'est dévoilé par les directeurs, et les clips, puis tout, puis les points de Mme Montrain, en fait. Monsieur Rivard. Oui. Excusez, j'ai oublié un peu le train d'idée où est-ce que je m'en allais. C'est bien ça, c'est que ce chemin-là, c'est un chemin qui est fermé de la municipalité. Par contre, oui, c'est accessible à n'importe quel véhicule moteur qui décide de le prendre là, comme que M. Jean mentionnait, il y a des tracteurs, des agriculteurs qui vont l'utiliser, il y a des gens qui sont des adeptes de 4x4 qui vont utiliser ces chemins-là. C'est juste pas entretenu par la municipalité. Alors, la condition de ce chemin-là peut être extrêmement... non passable, surtout au printemps. Je veux dire, c'est mou, excusez le terme anglais, il y a des ruts qui se fait faire. Alors, c'est sûr qu'à cette période de temps ici, s'il y a des camions 4x4, des VTT qui vont circuler, ça peut endommager là, justement ces chemins fermés-là de la municipalité. Par contre, on dit que c'est des chemins fermés, mais c'est quand même ouvert. Est-ce qu'on pourrait organiser, mettons, une rencontre avec les VTT, puis M. Oui. Jérôme, puis si je peux voir si on peut venir à une solution? Oui. Je vais aller faire une visite moi-même, aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Okay. M. Rivard va aller faire une visite, va organiser une réunion avec vous, puis le club de VTT, puis va voir si on peut venir à une solution. Sinon, ça reviendra au conseil, puis on décidera sur quelque chose. Non. Non, faut en parler avec le club de VTT, parce qu'eux autres, si. J'ai aucune idée, M. Jérôme. Joey? Ah, oh, Joey. Oui, Joey, je connais juste Joey. Bon. Je ne connais pas son dernier. OK. OK. On va vous appeler et on va faire une rencontre. J'espère que vous allez venir me répondre. Oui. OK. On va essayer d'en trouver un. Parce que là, je ne sais pas, mais on ne dira pas ça, mais longtemps, qu'ils viennent fouiller la mouche et tout. Là. OK. C'est zone agricole, ce n'est pas zone récréative, ça. Là. Okay. OK. Merci, M. Jérôme. Merci. Autre question? Oui. Bonjour, je suis Daniel Jérôme, 34-31 rue Labelle, à Bourget. La condition du chemin, le chemin Labelle, est terrible. On a la moitié de l'asphalte, on appelle ça de l'asphalte, pas trop certain. L'autre partie, c'est la roche. La roche est plus belle que la roche, que l'asphalte. Là, le problème est, il y a des trous constamment. Là, on voit deux personnages qu'il y a tellement de trous, ils ne savent plus quel choisir pour le rendre. Ça devient une perte de temps. Monsieur Melanda? D'argent. Il serait bien mieux de les garder au garage puis jouer aux cartes à place. Ça serait plus avantageux. C'est pour la safety de l'école aussi, les autobus, c'est terrible. Ils se promènent à gauche, à droite. J'ai une moto, j'ai de la misère de trouver la bonne place pour me promener avec ma moto. Là, il faut que je me promène sur la roche pour être plus safe. Les bicycles à pétales, il y a eu un rally deux semaines passées. Terrible, le monde, c'est dangereux pour les autres. J'aimerais ça qu'ils fassent quelque chose de bien. On va laisser M. Melanda vous répondre là-dessus. Je pense bien la réponse, c'est toujours pareil, mais j'aimerais ça avoir votre réponse. Merci. Merci, M. le maire. Oui, si je peux me permettre, c'est pas. J'ai eu même des conversations avec une résidente à un moment donné qui m'a téléphoné, justement du chemin Labelle. On ne se le cachera pas, le chemin Labelle est en mauvais état. La partie qu'on parle qui est en asphalte, oui. Si on va dire comme monsieur, si on veut appeler ça de l'asphalte. Oui. Parce que, ouais. Oui, c'est définitivement un exemple, un bon exemple d'un mauvais exemple, si je peux me permettre. Est-ce qu'on a quelque chose de planifié pour ce chemin-là cette année? Non. Ce que j'ai fait, par exemple, la dame avait demandé est-ce qu'on pourrait enlever ou remettre le chemin complètement sur le gravier, la partie qui était en asphalte. C'est faisable, sauf que je ne peux pas me fier sur une demande d'une citoyenne de convertir la partie en asphalte. Fait que, est-ce que c'est quelque chose que les résidents veulent contempler, c'est-à-dire on veut retourner sur le gravier, parce qu'il y en a qui vont le voir comme une régression des services, mais je peux vous garantir, est-ce que j'ai quelque chose à court terme? C'est en haut de la liste, mais comme vous le savez, on ne fait pas présentement d'asphalte en tant que tel. Et est-ce qu'on fait des fossés au moins? S'ils sont dus, ils vont être faits, là, oui. Là, vous
ne peux pas vous dire si j'ai sur la liste, si c'est sur la liste des fossés, mais je peux vous dire que oui, le bout de chemin en asphalte du chemin Labelle est en très mauvais état. C'est un de ceux qui est en haut de notre liste de Qualitas. Oui, monsieur. Ben, pour les questions des fossés, ils n'ont fait des fossés. Ben, ils poussent toute la belle roche dans le fossé. Là, tu es rendu avec un chemin, avec une assiette. Pas comme ça. C'est l'assiette, l'eau reste là, le trouble est là. L'asphalte, la roche, ils mettent ça toujours au printemps, quand ça coûte le plus cher. Et à Flaude, c'est le meilleur temps, c'est les autres mettent ça. Un petit truc. Je suis sur un fossé, c'est tout le monde. Ça fait 40 ans que je reste là, c'est le même problème. Là, ils ont décidé cette année de faire mieux encore que ça. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Là, ils prennent le bureau, ils font la partie pour pousser en avant, ils poussent ça, ils vont faire la partie de la roche là. Là, ils décident de tourner le bord, même s'il y a un pied de neige, ils tournent le bord, ils laissent la neige là. Après ça, le truc passe, après ils vont faire l'autre partie. C'est quoi le sens? Je ne comprends plus. Ça fait 40 ans sur le même. Je pense que je vais mourir là. Ça va être encore pareil. Mais le monde ne voyait pas ça. Okay. Madame Joignard. Qu'est-ce qui arrive aussi avec le chemin Labelle? Je pense que des citoyens seraient d'accord à le remettre sur le gravier s'ils savent que dans les prochains 3 ans, quelque chose est fait. Si on leur dit, on enlève on remet sur le gravier, on prépare le chemin, dans 1 an ou dans 2 ans, là, on met un revêtement dessus, là, au moins, les gens savent que ça va venir, alors c'est plus encourageant. Mais là, on n'a pas, ils n'ont aucune idée quand ça va être fait ou quoi que ce soit. Alors, oui, ça serait perçu probablement, là, enlever le service, mais c'est juste des patchs. Comme des patchs, puis ça s'enlève par patch. Alors, ça crée des gros trous. La belle fait dur, ça fait vraiment dur. Monsieur Miranda. Oui, si je peux me permettre, Monsieur le maire, vous savez très bien que si on décide de reconvertir en gravier, est-ce que je peux vraiment m'avancer à garantir que dans 2 ans, la rue Labelle va être faite? Vous savez très bien que je n'ai pas ce pouvoir-là, ni ce pouvoir décisionnaire-là. Ça fait que ça revient au conseil. Le reconvertir en gravier, c'est sûr que le chemin peut devenir sur la liste de ce qu'on fait du traitement de surface. Ça pourrait certainement, mais la décision reviendrait au conseil à décider si c'est en accéléré ou ça va à la liste normale de oui, monsieur. Prioritaire. Le chemin que vous dites, là, retirer l'asphalte, ça serait la solution parce que moi, j'ai une moto, je passe par l'autre bord pour être le chemin plus beau. Donc, la solution, c'est enlève la vieille asphalte, ou bien peut-être on pourrait le noir de Rockland, la vieille asphalte de noir pour l'emmener là, peut-être c'est la seule solution qu'on pourrait avoir. On pourrait le noir la neuve, on peut le noir l'usager peut-être, on ne sait pas. Mais enlever ça, cette affaire-là, c'est trop dangereux. Les enfants, c'est dangereux pour les enfants. Totalement d'accord avec vous. Ben, mais je peux vous dire une chose, il y a de la vieille asphalte à Rockland, vous ne voudriez pas l'avoir non plus. Ben, je pense que celle-là est usée, elle est fatiguée okay. Avec le temps. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci de votre commentaire, monsieur. Oui. À propos, là. OK. Grader l'épaule. OK. Merci, monsieur Jérôme. Je ne veux pas que vous fassiez la. Oui, M. Miranda, dernier commentaire, non? Non, je vais juste dire que je vais regarder, faire un suivi pour ce qui est de la section qui est en gravel pour m'assurer que je vais regarder les procédures qu'on fait. Mais si jamais on veut convertir la partie asphaltée en gravier, c'est quelque chose que je peux ramener au conseil, mais ça va me prendre une directive du conseil. Il faut se souvenir aussi que de convertir une route de la vieille asphalte en gravier, il y a des frais. Compter le fond, les pauvres. Monsieur Jérôme, c'est un chemin de municipalité. C'est un chemin de municipalité. C'est pas un chemin de comté. Ben oui, fort. Oui, oui. En tout cas, on verra bien. Bonjour. Autre question? Ouais.
OK. Salut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on continue. Avis de motion, numéro 9. Numéro 10.1. Madame Simard. Mm-hmm. Exemption des frais pour une demande de dérogation au règlement sur l'affichage pour le Club optimiste de Saint-Pascal. Attendu que le Club optimiste de Saint-Pascal a l'intention de soumettre une demande de dérogation au règlement sur l'affichage pour l'installation d'une affiche à l'intersection du chemin du lac et du chemin Saint-Pascal pour publier leur calendrier des événements. Et attendu que le Club optimiste de Saint-Pascal demande une exemption de frais reliés à cette demande sur la base que cette affiche sera pour le bénéfice de la communauté. Par conséquent, qu'il soit résolu que le Conseil de la cité de Clarence Rockland accepte d'accorder une exemption de frais de 126,48 $ pour une demande de dérogation au règlement sur l'affichage pour l'installation d'une affiche à l'intersection du chemin du lac et du chemin Saint-Pascal pour publier leur calendrier des événements. Secondeur. M. Grimard. M. Grimard. Question. Mme Choignard. Pourquoi qu'on ne fait pas tout simplement changer le règlement puis dire que si les organisations à but non lucratif font une demande de faire des annonces, à ce moment-là, ça s'applique à tout le monde? Parce que là, si on accepte, on crée un précédent. Alors, est-ce qu'on va faire ça à chaque fois qu'il y a un organisme qui veut demander? Alors, ce serait plus facile de juste adapter le… Si c'est un oubli qui a été fait dans le règlement, ce serait juste de l'ajouter. Puis là, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin d'avoir des demandes pour chaque organisation, parce qu'on en a beaucoup dans Clarence Rockland, des organismes. Je suis d'accord avec vous, Mme Choignard, mais l'affaire, c'est que si on fait ça, ça va prendre au moins un mois avant que ça revienne à l'affiche. Et puis, fait que ça, on pourrait passer ça, puis après ça, amener une résolution pour changer le… C'est ça. Okay. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Merci. 10.2, Rémi. Moi, j'ai une motion. C'est vous qui êtes le maire pro-maire, M. Lalonde. Alors, je vais lire mon avis de motion. Interdiction de la circulation des véhicules lourds sur la rue Laurier. Attendu que le conseil de la cité de Clarence Rockland a reçu diverses plaintes de citoyens pour interdire la circulation des véhicules lourds sur la rue Laurier, et attendu que suite à ces demandes, le conseil a l'intention d'amender la réglementation afin d'interdire la circulation des véhicules lourds sur la rue Laurier entre la rue Richelieu et la rue Laporte. Par conséquent, qu'il soit résolu que le conseil de la cité de Clarence Rockland mandate le service de réglementation de préparer un règlement pour amender le règlement 2007-01 afin d'interdire la circulation des véhicules lourds sur la rue Laurier entre la rue Richelieu et la rue Laporte. J'ai une question. C'est un peu le point que j'avais apporté l'autre jour, c'est que comment, c'est passer des règlements, puis après ça, qu'on soit pas capable de les gérer, ça ne donne rien. Comment vous allez identifier quels camions s'en vont faire de livraison, quels camions font seulement passer? Pourquoi aussi des camions choisiraient de partir de la 174 s'en aller sur une rue où ils doivent arrêter, plein de trafic? Comme j'ai l'impression que les camions qui vont sur Laurier présentement, ils n'ont pas le choix d'aller sur Laurier. C'est pas par choix qu'ils choisiraient de se retrouver avec plein de lumière puis avec des restrictions. Alors, je trouve que c'est pas logique. Deux points. En fin de compte, peut-être pour répondre avec Mme Choignard, je crois que le problème qu'on a, de ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a des camions qui vont faire des livraisons dans ce développement-là du Smart Center, et qu'au lieu de revenir sur l'autoroute, ce que vous semblez dire, c'est qu'ils vont prendre Richelieu, au lieu d'embarquer sur la 17 et ressortir à la porte. Ils vont couper par Richelieu, passer en avant de la résidence Bellerive et se rendre à l'intersection de la porte Laurier. Ma question est, puis c'est peut-être la réglementation là-dessus, est-ce qu'on va être capable de mettre une bonne signalisation pour forcer, c'est un grand mot, mais pour indiquer que du côté est du Smart Center, il n'y a aucun véhicule qui est autorisé? En fin de compte, l'inquiétude que moi j'ai, c'est, ça se peut-tu qu'on ait des véhicules qui se ramassent directement dans le quartier numéro 1, donc le quartier résidentiel, en passant tout droit ou en voulant se retourner de bord parce qu'ils ont fait l'erreur? C'est juste ça mon inquiétude. Mais c'est sûr, pour répondre à la première partie de la question, c'est sûr que dans l'éventualité que le conseil décide d'interdire la circulation aux camions lourds,
on va devoir faire l'installation d'enseignes réglementaires. Alors, il y a déjà des enseignes qui sont réglementées au code de la route pour justement ce genre d'interdiction-là. Puis c'est sûr que lorsqu'on va faire notre vérification et nos recommandations, on va prendre en considération est-ce qu'on va détourner la circulation de camions lourds à des endroits où est-ce que c'est qu'on ne veut pas vraiment les avoir. Dans l'intersection qu'on parle, Richelieu-Poupard, c'est sûr si les camions pourraient se retrouver à un endroit où est-ce que c'est qu'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas reculer. Alors, du côté sud, sur Poupard, c'est interdit aux camions. Du côté nord, ça pourrait possiblement l'être. On doit considérer, on ne veut pas qu'ils se retrouvent dans le projet Lemay non plus, directement dans une zone résidentielle. Alors, c'est possible qu'on doit interdire la circulation aussi sur cette partie-là là, du chemin Richelieu qui est dans la partie résidentielle là, du projet Lemay. Alors, ce sont des choses, on a été mandaté. Alors, on va regarder et vous remettre des recommandations de la part du service. En fin de compte, c'est ça. Là. Je suis un peu de l'avis à Mme Choignard. Si on vote quelque chose, mais vous n'avez pas les moyens de l'implanter, est-ce qu'on ne doit pas regarder à une autre solution que de la signalisation ou d'avoir un règlement interdisant les camions? C'est un petit peu ça que je soumets au conseil aussi. Oui, M. Lalonde Junior. Je pensais que Je pensais que lors de la réunion plénière, on avait demandé justement à M. Rivard de nous arriver avec des scénarios avant qu'on puisse passer à un vote final d'une façon ou d'une autre. Peut-être juste moi qui ai mal compris, là, mais de toute façon, c'était ce qu'on avait eu comme information. Je pense que c'est juste vous qui avez mal compris, M. Rivard. Non. C'est bel et bien ça. On avait demandé à M. Rivard de nous revenir avec des recommandations. Ben, les Lalondes vont se tenir ensemble, voyons donc. Monsieur Levert. Excusez, M. Rivard. Ben, maintenant que je suis mandaté, je m'en vais préparer définitivement. Il faut qu'on aille sur les lieux voir justement les différents scénarios qu'il peut y avoir. Alors, c'est possible qu'il y ait d'autres alternatives justement pour limiter la circulation sur cette section-là de la rue Lelier. Mais on va définitivement vous rapporter là, des recommandations. Merci, M. Rivard. M. Levert. Je pense que... Levert. Je pense que M. le maire, c'est sûr, il va falloir vraiment garder ça. Ce matin, à 7h30, je suivais un camion remorque de 42 pieds. J'ai descendu plus tard, il est sorti du Walmart. Après le chemin, j'ai dit, il s'en va à résidence ou il s'en va ailleurs. Mais non, il a continué. Il a juste pris ce chemin-là. Puis je vous jure que dans cette courbe, quand 42 pieds passent là, s'il y a une auto dans le chemin, c'est très dangereux. Il faut absolument faire quelque chose. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Je pense que M. Rivard va sûrement nous amener avec une bonne solution, mais la seule solution que je peux voir, c'est l'interdiction des camions lourds en ce tronçon entre le Walmart et puis la porte. Merci, M. Levert. M. le maire? Moi, je vois les résidents qui marchent sur le trottoir. Justement, l'autre soir, au comité stratégique, au meeting qu'on a eu à Rockland, il y a une dame, un monsieur qui ont dit comment que c'était étroit à un certain point. Les camions qui passent là à une bonne vitesse, les résidents soit de la Belle-Rive ou les résidents de l'appartement là au bas qui marchent sur le trottoir, c'est tassé quand il y a un char qui s'en vient, puis un gros camion qui s'en vient, puis ils sont bien proches sur le bord du camion, du trottoir, excusez. C'est les résidents de Belle-Rive et de l'appartement là au bord de la rue qui ont demandé d'avoir quelque chose de même de fait. Fait que moi, j'apporte ce que les résidents ont demandé. C'est à vous de décider. C'est vos quartiers, mesdames et messieurs. Monsieur Zant. Je comprends ce que M. Grimard et Mme Chouanière dit, mais dans le même sens, on a des affiches qui disent que la limite de vitesse, c'est 50 km à l'heure, mais on n'a aucune garantie que quelqu'un va faire 50 km à l'heure. Alors, mon point est qu'on pourrait mettre des affiches quand même, on pourrait mettre des agents pour faire sûr que c'est respecté, mais juste dire qu'on ne peut pas mettre des annonces parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. Je veux dire, il y a des annonces tout partout, puis il y a une raison pourquoi on a des annonces. Fait qu'on devrait au moins commencer par quelque chose. Et si ça ne fonctionne pas, au moins ça nous donne du temps à penser à quelque chose d'autre. Mais moi, je suis d'accord avec le maire. Oui, M. le maire, je pourrais dire que je suis définitivement contre la résolution. C'est qu'on parle toujours d'encourager nos marchands, nos commerçants. Et puis, je crois que ce n'est pas la solution actuellement. C'est une traverse de piétons qu'on a besoin. Là, le trafic, j'ai regardé, on passe à peu près 12 à 20 camions par jour seulement. De 12 à 20 camions par jour, c'est tout.
Et puis le bruit qu'on dit qu'on peut ressentir lorsque les camions passent, c'est parce que l'asphalte est trop rough. Là. Oui, M. Simoneau. Monsieur Lalonde, je comprends ce que vous dites, là, mais permettre les camions à continuer à circuler sur ce tronçon de route-là, puis en installant une traverse de piétons, ça ne résout pas le problème qu'on a dans la courbe, qui est extrêmement serré, qui est plus que 90 degrés, puis les camions vont presque sur le trottoir d'un côté, puis ça bordure de l'autre quand ils passent là. On ne résout pas le problème, non. On résout le problème pour des gens qui demeurent juste en face, là, pour traverser, mais on ne résout pas le problème pour le camion, puis le danger qu'il y a dans la courbe. Madame Chouinière. Mais je ne pense pas qu'on résout le problème non plus si on envoie ces camions-là dans des quartiers résidentiels. Alors, si on a le choix entre les envoyer sur Laurier ou dans le quartier résidentiel, je pense que c'est préférable de les laisser sur Laurier puis régler le problème sur Laurier. Alors, faciliter à élargir cet endroit-là s'il faut ou mettre un pionnier, peu importe qu'est-ce qui va être proposé, mais je pense que d'empêcher les camions n'est pas la solution. Merci, Mme Chaunière. Tout d'abord, lorsque le conseiller Simoneau mentionne que c'est la courbe en bas qui va de la rue Laurier qui monte sur le chemin Poupart. Je peux dire que j'ai assisté aux réunions des seniors qui traversent la rue, qui partent l'édifice en face de Rutland Ford, qui traversent l'autre côté. Ça ne changera pas absolument rien la courbe dans le coin. C'est le trafic qui se blâmait, qui était trop pesant pour eux autres. Ils n'avaient pas de chance de traverser la rue qui était dangereux. La traverse de la rue est juste à l'entrée du Bellerive. Non, on peut faire les deux, par exemple. Moi, je demande pour un vote. Moi, je demande un vote enregistré. Vote enregistré, pas de problème. Donc, il n'y a pas d'autre discussion? On s'était pas entendu. Je demande un vote. OK. Ceux en faveur? Non. Je demande un vote, c'est fini. Il y a la recommandation qui n'est pas arrivée non plus. On vient demander à M. Olivard de... Vous avez voté. Ceux qui sont en faveur de la résolution. Quelqu'un a demandé un vote enregistré. Moi, j'ai demandé un vote enregistré. Bon, bien, là, il ne fallait pas un par un. Ah oui, c'est vrai. Conseiller Lalonde. Moi, je serais pour la résolution. Conseillère Christa Simard. J'abstiens. Conseiller Levert. Pour la résolution. Conseiller Simoneau. Pour. Conseiller Chouinière. Moi, je suis contre. Conseiller Grimard. Je dois abstenir pour manque d'information. Conseiller Zent. Pour. Moi, je vote aussi. J'ai le droit de vote. Oh! Oui. C'est vrai, vous avez le droit Merci, de vote. Merci, M. Lalonde. Moi, je vote pour. Et puis, moi, je vote contre. Donc, ceux qui ont voté 1 c'est accepté. Pour 2, 3, 4. Il y a 4. Ça compte, comme non, ça. 4 contre. 5 pour. Il est accepté. Et voilà. Il y en a 5 qui ont voté pour? Oui. Mais il y en a 2 qui se sont abstenus. Non, mais abstenus, c'est contre. Mais oui, mais 1, 2, 3. Oh, c'est vrai, oui. Oui, c'est contre. Il y en a 4 contre. Ah, oh, merci. Madame Maryse, s'il vous plaît. Mais oui, on est 5 pour. Madame Maryse va nous le dire. J'ai seulement besoin d'une confirmation de M. Levert. Je veux juste savoir si vous avez noté. C'est bien ce que j'avais noté, j'en ai 5. Bon. Merci. Donc, de retour à vous, M. le maire. Merci. Voulez-vous avoir 5 minutes de pause ou... Okay. 5 minutes de pause. Item 11.1. Est-ce qu'on les lit toutes? Monsieur le maire, je demanderais à ce que l'item 11.3, j'aimerais avoir une discussion sur celle-là. OK. Moi, je veux avoir une discussion sur 11.1, réunion A. Autre chose? Secondaire, un proposeur, monsieur. Ah,
Madame Simard. On les lit toutes avec les restrictions ou sans les restrictions? On les lit toutes avec les restrictions qui ont été, ceux qui ont été enlevés. OK. Qu'ils soient résolus. Qu'il soit résolu que les items identifiés sous la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 19 mai 2015 soient adoptés. 11.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion du comité plénier du 7 avril 2015. B. Réunion spéciale. Lui est enlevé. Ah, excusez, on l'a enlevé. C'est bon. Réunion spéciale du 7 avril 2015, réunion régulière du 20 avril 2015, réunion spéciale plénière du 28 avril 2015. 11.2, réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Comité d'aménagement du 8 avril 2015. B. Comité consultatif du transport en commun du 24 mars 2015. C. Comité consultatif culturel du 25 février 2015. D. Comité consultatif culturel du 24 mars 2015, comité consultatif du parc de chiens sans laisse du 18 mars 2015. 11.4, nomination de Rachel Garreau, John Morganson, Denise Gervais et Julia Reed à titre de membres du comité d'accessibilité. 11.5, adoption de la démission de Suzanne Magnan, et nomination de Mme Paulette Wolfe à titre de membre du comité consultatif culturel. Secondaire, Mme Simard, question. Est-ce que vous voulez discuter vos... Il faut voter, puis après, c'est sûr que vous avez retiré que... OK. Tout le monde en faveur? Oui. C'est bien. Alors, discussion sur 11.1A. M. Simoneau. Il faut que je retrouve ma page, ça ne prendra pas de temps, M. le maire. Page 6, la sixième page 6 de 12, qui est vraiment page 18 à votre ordre du jour. Le commentaire concernant le tuyau d'égout sur la rue Laurier. Le conseiller Yvon Simoneau explique que lorsque nous allons procéder à la réparation, il faudra aviser les gens de la station de pompage numéro 2. Moi, ce que j'avais dit, c'est qu'il faudra aviser les résidents restants à proximité de la station de pompage numéro 2 pour le bruit quand on va avoir les camions pompeurs à ce moment-là. Merci. C'est bien. Okay. Proposé par M. Simoneau, secondé par Mme Simard. Merci. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 11.3, M. Lalonde. Oui, M. le maire, c'est que je regarde l'adoption des salaires payés pour la période du 29 mars au 25 avril, 20 jours de ouvrable. Je propose une seconde. Il faut le faire ça. Ah oui? Il faut le faire après. Non. Ah, OK. J'en ai du cirque. Bon, OK. Proposeur, secondé par Mme Simard. Merci. Et on va de l'avant. La question est... je voudrais savoir pourquoi qu'on a 124 920 $ de salaire de plus à payer pour le mois d'avril comparativement avec le mois de mars, qui était le même nombre de jours, 20 jours ouvrables. 124 920 $ de plus. Mr. Mayor, I'll have to look into that and I can get back to the councillor and all the councillors. Est-ce que ce serait du rétroactif? Do you want to wait? T'es mieux à venir? Mr. Mayor, there was a fire pay involved in the in that pay period, but I can still get back. I would like to look at the details. So Mr. Savarin, do you have more details, or that's it? I don't have the amount. Okay, that's okay. I saw you lift your hand. That's why. And we did have a retro pay, but I'm not sure if it was made in that time period. There was a retro pay for the non-union. So you'll come back to Mr. Lalonde and or send an explanation to all councils? I can send an email to all the councillors. Please, yeah. Thank you. Donc maintenant, ça prend un vote, là. Monsieur Lalonde. J'allais proposer. Secondaire, Monsieur Lavert.
Tout le monde en faveur? Merci. On s'en va à numéro 12. 3.5. Monsieur Levert. Ça doit avoir attrapé ça de M. Simoneau. Extension à l'ébauche de plan de lotissement CR Land Inc. Entendu que CR Land Inc. a soumis une demande pour une extension à l'ébauche de plan de lotissement pour une propriété située sur la partie du lot 7, concession 6 à Clarence Creek. Dossier numéro D-12-114. Et entendu que l'approbation de l'ébauche de plan de lotissement sera expirée le 11 juin 2015. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte d'accorder une extension à l'ébauche du plan de lotissement, dossier numéro D-12-114, et ce jusqu'au 19 mai 2020. Monsieur le secondaire, Mme Simard. Question, M. Lalonde. Monsieur le maire, en quelle année cette entente-là avait été approuvée? 2012. It's either 2 or 3 years. I don't know exact date that it was finally approved and registered, but it's been a few years, yes. It's not one of those that we signed about 20 years ago. No, this is very, very recent. It's for Roxanne Street, if you know where that is in Clarence Creek. C'est yeah. Quelque chose qui est fait régulièrement, M. Lalonde. Ouais. Demander une extension. Il y en a que ça fait 20 ans. Oui, mais c'est fait régulièrement, c'est fait pour tout le monde. Okay. Autre question, M. Lalonde. Une question, juste un commentaire. Et voilà. C'est la deuxième phase qui est en question ici, non pas la première phase qui est actuellement en construction sur la rue Roxanne. Donc, c'est juste pour permettre aux développeurs d'avoir le temps nécessaire pour faire le cheminement qu'ils ont à faire avec le projet. Donc, c'est… Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 12.2. Demande d'amendement de l'entente de lotissement, DV Development Incorporated, rue Adrien, Clarence Point. Monsieur Levert. Qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte la modification proposée à l'entente de lotissement de DV Développement Incorporé, filière D-12-UUU, telle que recommandée par le comité d'aménagement. Secondaire, Mme Simard. Question, M. Simoneau. Mr. Michaud, I'll talk in English so that we each understand each other quite well. I think I'm, instead of calling it the DV development on Adrien Street in Clarence Point, we should call it the Deception Subdivision. And where I'm going is phase one in 1998, 1999, 2000, we were supposed to get a park. We don't have a park. You're coming back to us today because the owner has sold what was supposed to be our walkway, and supposedly it's okay. And because it's steep and it's along a creek. Now, I don't know if members of your staff have gone out to look at it, but I can tell you that you should walk down Victoria Street one day in Rockland, or Edwards Street. Or even, I remember quite well how proud you were to tell us that you were trying to promote a link in between downtown Rockland, all the way to Wilson, all the way to Clarence Point,
part, and you know, through regional group, you were giving us a sentier pedestre, and you were very proud of that. Now, I look at the end of Wilson Street, where we're going to have to go and connect to Onizing-Guibar. Now, that is steep. That is very steep in my book. And we're proposing to do it right there. And this gentleman here, where, you know, we've lost a park, now we're losing a park, a pathway, and it seems to be okay. He sold the land, he probably made more money, okay? And he doesn't have to build the pathway, probably made more money. Did he offer anything in exchange, or did we ask? I don't know. To me, it's a complete deception from one end to the other, that subdivision. It's awful. We're going to have to build a park in 2017 if council is nice enough to me to promote the construction in 2017. Otherwise, we're going to have to go to 2018 or 2019. Now, and today I'm giving away a pathway. Awful, awful. I don't know what's going on. As we had the discussion in my office not too long ago, we're getting rid of this park or supporting this park or this pathway being converted back into a lot in exchange for what will happen to the west when other lands are developed. They'll have that ability to have another access point at that location, or if lands to the east are further developed, then there's other locations. Is it steep? Yes. You also have to look at how it's going to be maintained. If you walk down Victoria Street, as you indicated, there's a nice sidewalk there. There is no sidewalk here, and there's no provision for a sidewalk. So we just looked at other opportunities. It's not just the planning department that's supporting this. We talked with the engineer that was looking at this at one point in time, and he figured that it was too steep and too hard to maintain. We talked with the engineering department for that. We also talked with our community services department, who said it's probably not the best location. So from a staff point of view, we're not supporting that location, and we're supporting other opportunities to create pathways in this particular area. I don't think that all pathways in the city of Clarence Rockland are being maintained during the winter, especially. I don't think they are. And this one would not be, I'm sure. Okay? Correct. But if it's just in a dirt situation, it will erode quite quickly. Again, it's council's decision. If council wishes it to be there, then it'll stay. You know, from what I read in your report, Mr. Michaud, I don't think there's much that we can say or there's much we can do. The city staff has already agreed that it's okay. So there's not much I can do. It's simply a recommendation. That's not agreed. So if I read your report, and tell me, the property right now has been sold to the neighbor. Now, how are we going to get it back? That's put onto the responsibility of the developer. Because they were supposed to transfer that to us. We can vote on it. I definitely will tell you that I will vote against it because of deception. Again, I'm saying it, deception. Okay? I'm not being. The park was, the developer in phase one was supposed to build us a park completely fenced and everything, complete. We didn't get it. We'll blame it on amalgamation. It was lost somewhere in amalgamation. But today, we're giving away a pathway. And it's awful. It's awful. Monsieur Levac. Monsieur Michaud, when we had our planning meeting, I remember discussing this very deeply. And
I thought since the land was sold, there was no other way of getting back. And now you're saying we can go back to the developer? You never told us that at the planning meeting. The land's been sold, but if council decides not to waive the clause within the agreement, then the developer has breached the agreement. So now he has to give us land for another walkway? Well, council can either make the decision to allow for the lands to be sold and waive that particular portion of the agreement, or indeed put that clause into effect and force the developer to give us the property. If the developer has to go back to the property or say, oh, sorry, I made a mistake, I got to get the land back, well then that's his responsibility through his lawyers to go and do that. Monsieur Zant. I think in light of additional information, maybe this should go back to planning for a second review, because I don't remember actually discussing anything about a park. And I have one little question. Didn't we have trouble with the paving in that same... Not that one. Not that one? I don't recall. Phase 1 and 2 were prior to my being here, okay. So I don't know. Madame Soignard? Don't know. Pas de question? To me, if we go that course, you know, if we try to claim it back, that would probably cost some legal fees, because it means that we have to sue the developer for selling the property when there was already an agreement with the city. So, you know, we have to take that into consideration. Was there as well. An agreement, though, with the city to give that away? Yeah, there's a clause in the agreement that says that land's supposed to be transferred to the municipality. It was never transferred to the municipality. He then transferred it to a property owner. Okay. Just a minute. I'm reading from your report. I finally found it. Okay. The city met with Monsieur Verdon last summer, and it was agreed that he could amend the subdivision agreement to remove the need to construct the said walkway. Now, with this piece of paper, which is available to the citizens, you know, we don't stand a chance in court, as far as I'm concerned. Why did we, like somebody at the city decided that we didn't need the pathway? Again, it's simply a recommendation. We're saying that go through the process. No, what we're saying is go through the process to amend the agreement. If council agrees, then you amend the agreement, and then register will take that clause out of the agreement that gets registered back onto the property. Okay. It's council's decision. Somebody suggested bring it back to the management. Will we bring it back? I think so. Okay, table it. Vous tout en faveur de le tabler, de ramener à l'aménagement? Okay. Accounts paid. Monsieur Lalonde. Il soit résolu que les comptes payés... Oh, attendez une minute, monsieur. Monsieur Simoneau. Secondaire, monsieur Zant. Tout le monde en faveur. C'est bon. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 10 avril 2015 au 8 mai 2015 au montant de 1 973 567 et 3 sous soit adopté tel que recommandé. Secondaire. Madame Choignard. Question. J'ai deux questions, Monsieur le maire. Envoyez fort, Monsieur Lalonde. La première, c'est que je vois liability claim. On en a pour 12 000 $. Ça, c'est-tu des arrangements quand une personne dit qu'on a endommagé son parterre, on a eu des refoulements au sous-sol? Il y en a 8 réclamations pour 12 046 et 50. Do I go to Mr. Keogh or do I go to Madame Ouellette? There you go. You're out of the hot water, Mr. Keogh. Pardon? Non, il a trouvé ça. C'est la première. Monsieur le maire, quand on regarde sous liability claims, c'est des frais de claims pro, notre ajusteur, et parfois c'est des remboursements qu'on fait, des coûts minimes pour lesquels on est responsable. Donc, c'est des repaiements à ceux qui font des réclamations d'assurance. Est-ce qu'on va toujours à notre compagnie d'assurance lorsqu'il y a une réclamation? Non. Pas nécessairement.
Donc, si l'investigation est très claire, on a une nouvelle politique qu'on a mise en place. Si tout est très clair et puis qu'on sait qu'on n'est pas dans le tort, on laisse celui ou celle qui nous fait une réclamation de prouver que la municipalité est dans le tort, puis on refuse la demande. Si dans l'investigation, c'est clair que nous sommes responsables, on défraie les coûts immédiatement. Et puis, si on voit qu'on a besoin d'une plus grosse investigation, dans ce cas-là, je transfère à Claims Pro, qui est notre ajusteur. Autre question, M. Ladon? Oui, j'en avais une autre. Hydro One, je vois que nos factures sont plus de 80 000 $ par un mois d'Hydro. Oui. J'ai une question à Mme Lefebvre. C'est que les terrains de balle, qu'il y ait de la pluie, qu'il n'y ait pas de pluie, les lumières sont allumées jusqu'à 11h30. Les terrains de tennis sont allumés. Il n'y aura pas moyen de mettre un timer, qu'on appelle, excuse l'expression anglaise, là, qu'il y a des parcs qui ont ça, ils mettent un tournis dedans, ils sont bons pour une heure. Là, tandis que là, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, les lumières sont allumées tous les soirs, puis ça prend beaucoup, beaucoup d'électricité. Même j'ai vu un soir à partir de là, 11h, le lendemain matin, à 7h, il est allumé encore. Ça, ça coûte très cher. Comme j'ai dit, j'arrive, je pense, à 87 000 $ pour un mois de Hydro One. Oui, mais Hydro One, ça va être toutes les lumières de rue. Il y a toutes les lumières dans ça. Ouais. Mais envoyez fort, Mme Lefebvre. Donc, M. le maire, pour répondre à M. Lalonde, nos lumières de parc et de tennis sont sur un timer, comme vous dites. Donc, c'est sûr que si on a des soirées de bal du lundi au jeudi, c'est réglé pour allumer ces soirs-là. Si c'est annulé à cause de la mauvaise température, les lumières s'allument tout de même. Les temps où est-ce que il y a des fois où est-ce que les lumières ne se ferment pas, ça c'est s'il y a eu une panne d'électricité, par exemple, ça va tout défaire le cadran. Donc, c'est là que nos employés doivent retourner pour régler encore le cadran. Donc, souvent, si vous voyez que les lumières ont été allumées toute la nuit, c'est à cause que probablement dans cette semaine-là, il y a eu une panne d'électricité, puis le cadran doit tout être reprogrammé. C'est qu'actuellement, on parle souvent de conservation d'énergie. Mm-hmm. Et puis là, c'est vrai, les gens de l'autre côté de la rue, puis les jeunes d'école, qui sont très intelligents aujourd'hui, quand ils parlent l'environnement puis la conservation d'énergie, ils nous demandent souvent « Pourquoi que les lumières sont allumées? » Puis c'est vrai, je pense que ça vaudrait la peine de regarder quel est le coût d'avoir un timer. C'est comme un tournis qu'ils mettent dedans, qui sont bonnes pour une heure ou deux. Puis quand il n'y a plus personne, bien, la lumière s'éteint au bout d'une heure. Quelque chose à regarder. Autre question, M. Ladon? Non, c'est tout. Autre question, M. Grimard? J'ai peut-être juste omis le premier point de M. Lalonde. Encore une fois, la page 6 du document... Facture, je crois que c'est liability claims pour 7 000 $. C'est le même genre de situation? OK. Merci. Mme Choignard. Je voulais juste ajouter par rapport à ça aux réclamations, c'est que parfois, ça coûtait moins cher de juste payer les dommages que d'engager, que d'envoyer ça à Claims Pro, puis que là, défrayer leur service, puis ensuite aboutir à payer quand même le montant. Alors, totalement d'accord, Mme Choignard. Autre question? C'est tout. Tout le monde en faveur? Merci. Prochaine. 12.4, rapport final des élections municipales 2014. Madame Simard. Attendu que la cité de Clarence Rockland a dû absorber des coûts supplémentaires pour assurer l'intégrité du processus de vote lors des élections municipales 2014, suite à une erreur au niveau de l'imprimerie, le pliage et la distribution des lettres d'information aux électeurs contenant le numéro d'ID et le NIP de l'électeur, et attendu que le conseil municipal, suite à sa réunion à huis clos du 2 mars 2015, a offert à SkyToll Canada Inc. l'opportunité de signer une quittance complète et finale afin de régler ce dossier hors cours, et attendu que SkyToll Canada Inc. a accepté et signé la quittance complète et finale telle que proposée, qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence Rockland autorise le greffière à signer la quittance complète et finale telle que recommandée. Secondaire, Monsieur Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 12.5. Je vais avoir juste des questions sur la base. Juste un commentaire.
Oui, il est fort, monsieur. Juste un commentaire pour les gens de la télé, aussi pour les gens qui sont ici. Dans le numéro 6, les Computer Supply and Support, il ne faut pas oublier que les ordinateurs que les conseillers ont font partie, je crois, de ce montant. Right? Juste pour l'information. Merci. Autre chose? Merci. 12.5, règlement de procédure. Monsieur Simoneau? Je sais, juste... C'est le mien. C'est le tien? Ah oui, fort. Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence-Rotland adopte le règlement numéro 2015-56 étant un règlement de procédure tel que recommandé et qu'il soit également résolu que le conseil municipal adopte le nouveau calendrier des réunions 2015 reflétant les changements apportés au règlement de procédure tel que recommandé. Secondaire, Mme Simard, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Grimard. Je sais que j'ai eu l'opportunité de discuter avec Mme Ouellette concernant les fameuses périodes de questions. Je crois qu'on avait suggéré ou on nous avait recommandé d'avoir deux périodes de questions, une à la plénière et une à la régulière. De ce que je peux lire à la page 180, c'est qu'il va seulement avoir une seule période de questions. J'aimerais juste que Mme Ouellette puisse nous aider dans ce domaine-là pour nous éclairer, s'il vous plaît. Sur mon document électronique. Je peux juste ajouter un point. Vous ne voyez pas, Mme Joyen? C'est quand, on avait, quand ça avait été indiqué, c'est qu'on avait dit que la régulière, ce serait seulement des questions qui sont reliées directement au sujet qui sont à l'agenda. Tandis que la réunion plénière, la période de questions pourrait être ouverte sur n'importe quel sujet. Est-ce que je peux lire l'explication? De ce que j'ai eu comme explication de Mme Ouellette, ou savez-vous, je peux-tu vous laisser... Envoyez fort, Mme Ouellette. Monsieur le maire, je me suis entretenue un petit peu avec M. Grimard. Comme vous voyez, l'item numéro 3 de mon rapport, le deuxième paragraphe, je cite que malgré le fait que les membres du conseil, lors de la réunion du comité plénier, ont suggéré d'avoir deux périodes de questions, une à la régulière et une à la plénière, c'était suite aux discussions qui ont été apportées d'un contribuable qui disait que la période de questions après le fait que les décisions ont été prises à la régulière ne valait pas la peine, donc il voulait avoir la chance, le public voulait avoir la chance de poser leurs questions avant la prise de décision. J'ai eu des discussions avec M. le maire suivant la plénière, où ça a été discuté, puis j'ai apporté mes commentaires au fait que ce serait très difficile à gérer pour que les gens qui viennent se présenter au microphone pour poser des questions qui ne sont pas des questions qui sont relatives à l'ordre du jour de la réunion régulière. Ça va être très difficile de les renvoyer s'asseoir puis dire, vous reviendrez poser votre question à 8 heures ou à 8 heures et quart. Donc, ça va devenir un petit peu difficile à gérer. Pour ces raisons-là, pour que ça soit plus facile de gérer en tant qu'administration, je crois que c'est plus facile d'avoir seulement une réunion de questions à la régulière, qui est au début des deux réunions, puis pas en avoir une deuxième à la plénière pour éliminer d'avoir deux fois 30 minutes, une possibilité d'avoir deux fois 30 minutes de questions dans une soirée. Faut pas oublier ça, c'est une recommandation. Si vous n'êtes pas satisfait avec ça, ça peut être remis aux deux réunions. C'est à vous de décider. Madame Choignard. Mais je pense que c'est important d'avoir aux deux réunions parce que la deuxième réunion, c'est à la plénière, on va parler de nouveaux sujets parce que c'est la réunion qui va suivre la régulière. Alors, on va parler de nouveaux sujets. Puis, ça nous donne plus de temps. Puis, ça donne plus de temps à l'administration aussi de faire des corrections ou d'apporter des changements. Ou puis, ça donne plus de temps aussi d'en discuter. Alors, les citoyens peuvent apporter un point qui est très valable, puis qui a besoin d'être analysé. Alors, après ça, là, les directeurs peuvent nous revenir à la réunion régulière, puis là, nous proposer le changement, puis on peut voter sur ce changement-là. Alors, je pense que les deux ont une fonction très différente, les deux périodes de questions. Alors, je pense que les deux devraient rester là. Autrement, M. Levert?
Entièrement d'accord avec Mme Chouinard, M. le maire, c'est que je pense que les gens qui se déplacent, spécialement pour une période de questions, il y a toujours des gens qui sont ici, que ce soit la plénière ou la réunion régulière, surtout, vous avez vu ce soir les questions qu'on a eues. Des fois, il n'y en a pas. C'est assez rare que ça dure 30 minutes. Je pense qu'on ne peut pas toujours anticiper le 30 minutes, mais je pense que ce serait fair que les payeurs de taxes aient droit de parole à nos réunions. Autre commentaire, autre question, M. Lalonde? Je suis d'accord avec le conseiller Chouinière et le conseiller Lebert. Merci. M. Grimard? Donc, il faudrait, c'est pour ça que je l'amène, oui, je suis totalement ça, d'accord qu'on devrait avoir deux périodes de questions. Alors, est-ce qu'on pourrait le changer? Est-ce qu'on va faire un vote pour faire un changement dans le... Paragraphe 3. Paragraphe 3 de la politique. Maintenant, la question est, est-ce qu'on ouvre la table à n'importe quelle question, à la première et à la deuxième, ou s'il y a quelqu'un qui nous arrive avec une question de plénière à la régulière, on dit « allez vous asseoir et revenez à la plénière ». Est-ce qu'on décide de faire ça, parce qu'il faut que ça soit bien identifié? OK. Ça va être spécifié, mettons, au commencement de la réunion, avant que la période de questions commence. D'accord. Comme quoi que c'est des questions seulement pour cette réunion-là, et les autres questions pour la prochaine réunion devront être demandées à la période de questions, la numéro 2. C'est ça. OK. Est-ce qu'on peut... C'est bon, madame? Secondé. OK. Le changement est bon. Proposeur, M. Grimard. Proposé. Secondaire, Mme Chouinard. Tout le monde en faveur? Merci. C'est bon. La plénière et la régulière. Okay. Et la plénière régulière, c'est seulement pour les sujets qui sont c'est ça. À la régulière. Oui. Oui, Mme Chouinard. OK, moi, c'est un autre point. Pour le point 40.2, pour abstaining from voting is counting as voting no. Je pense que c'est important, je pense que c'est important de voter ou de ne pas voter, d'être pour ou d'être contre. Je pense que de s'abstenir, ça, étant donné que ça a le même impact que de voter non, c'est aussi bien de s'en maintenir, s'en garder non. Parce que c'est toujours compté, la majorité va toujours être comptée sur 9 votes, de toute façon. Mm-hmm. Alors, s'il y en a 4 qui s'abstiennent, puis il y en a seulement 5 qui votent, on pourrait avoir des problèmes s'il y en a 6 qui décident de s'abstenir. Alors, voyez, c'est que ça cause. Pour moi, si les gens doivent s'abstenir, ils sont tous bien juste simplement abstenir qu'ils ont leur manque d'informations ou ne sont pas prêts à voter. Puis à ce moment-là, s'il y a plusieurs gens qui ne sont pas prêts à voter, on le repart, puis on demande l'information qu'on a besoin. Mais je pense qu'à un moment donné, les décisions, il faut qu'elles soient prises. Et puis, c'est sûr, ça laisse les choses ambiguës quand on. Quand il y a d'abstinence. Non, je suis d'accord avec vous, là. Je vois pas. Qu'est-ce qui est le résultat final, arriver de dire abstenir ou de dire non? Les deux font la même chose. Monsieur Grimard? D'accord en principe, sauf que si on se fait demander un vote alors qu'on n'a pas eu la chance d'épuiser le sujet et qu'il nous manque l'information, je pense que là, il y a une différence entre une abstinence et un non. Alors, oui, moi, j'ai pas de problème à abstiner. Je sais que le résultat est le même. Oui. Mais si c'est un vote enregistré, je veux que les citoyens, soit de mon quartier ou de Clarence Rockland, savent que si une personne s'est abstenue, ça ne veut pas dire que c'était oui, ça ne veut pas dire que c'était non. À ce moment-là, est-ce qu'on n'aurait pas raison s'il y a quelqu'un qui demande un vote enregistré rapidement, puis la discussion finit, s'il manque d'informations, bien, pour le bien-être de la communauté, on devrait réouvrir la table et faire sûr que le sujet est épuisé, même si ça prend plus de temps. Je crois qu'il faudrait le faire. Mais pour moi, si on n'a pas le droit de faire ça à cause du règlement de procédure actuel, j'aimerais que l'abstinence puisse. Ça fait drôle de dire ça, là, mais. L'abstinence est de mise. Oui, mon épouse m'a entendu. Ouais. Mais je pense, je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le cœur là-dedans. Oui. C'est pour ça qu'on a mentionné. Allez-y. Allez-y, M. Levert. Je crois, M. Guimard, qu'on a vécu ce soir l'expérience. De ce que j'ai demandé, un commentaire, et M. le maire m'a dit que c'était fermé à cause que quelqu'un va demander le vote. Alors, est-ce que vous voulez le changer? Oui, moi, je... Passons au vote, s'il faut, mais moi je propose. Vas-y. Ça prend un proposeur? Je propose de changer. Secondaire? De regarder qu'on vote oui ou qu'on vote non. Tu peux juste faire un peu, sur qu'est-ce qu'on vote? Là. C'est fait qu'on vote sur oui ou non. Pas d'abstinence.
d'abstention, monsieur. OK. Monsieur Simoneau. Je crois que on vit dans une société extrêmement libre, puis on devrait être capable de pouvoir dire je m'abstiens de voter. On n'est pas obligé de voter, on peut s'abstenir tout simplement de voter. Puis, si on ramène ça à table encore pour rediscuter, vous demandez le vote, une personne demande le vote, ça l'arrête la discussion, on passe au vote. S'il y a quelqu'un qui décide « je m'abstiens », comme il est arrivé ce soir, il n'y a pas de problème avec ça. Ah bon, on devrait être capable de continuer. Oui, mais je n'ai pas de problème avec ça, mais je ne vois pas pourquoi que ça va comme non. C'est pour ça que je dis ça. C'est étant donné que ça compte pour un non, on a aussi de rester avec oui et non. Si on dit qu'on veut que l'abstention est force, mais il faut pas que ça compte. À ce moment-là, s'il y en a trois qui profitent de leur possibilité de faire l'abstention, de s'abstenir de voter, plus facile, de s'abstenir de voter, à ce moment-là, est-ce qu'on compte sur 9 pour la majorité ou on compte sur 6? C'est là qu'il faut qu'on détermine. Madame Ouellette, on utilise le guide Petit Robert, comment ça s'appelle? Robert. Alors, qu'est-ce que ça dit lorsqu'une personne s'abstient de voter à une réunion? À ma connaissance, ça veut dire que l'abstention compte pour un non. Le conseil, les membres du conseil présents comptent dans quand on compte les votes, à savoir si c'est pour ou contre, à savoir si c'est adopté ou non. L'abstention compte pour un non définitif. Moi, ça me va rien. Si vous voulez avoir trois choix, que quelqu'un le propose, qu'il y ait un secondaire, puis on passera un vote. Monsieur Levert. C'est là. Madame Ouellette, Monsieur le maire, excusez, Madame Ouellette, est-ce que dans le code, l'abstention est obligatoire? Non? Elle n'est pas obligatoire? OK. Oui, non, c'est Marie. C'est nous qui le demande. Mais moi, je... Oui, mais là, je veux savoir s'ils veulent avoir non avec ou... Oui, c'est ça, là, on discute encore. C'est ça, moi, j'ai proposé, là, alors, simplement, si vous n'êtes pas d'accord, vous votez non. Puis... Vous proposez... Je veux vous répéter votre proposition. Étant donné que de s'abstenir veut dire un non et compter, calculer comme étant un non, non, c'est pas mal de la résolution, mais étant la négative, étant donné que ça vaut la négative, à ce moment-là, ça a le même impact au niveau du résultat des votes. Alors, si on veut aller avec l'abstention, mais à ce moment-là, il faut regarder si on calcule sur 9 ou si on calcule seulement sur ceux qui votent oui ou non. Alors, c'est toujours sur 9, mais bref. Alors, moi, définitivement, que je propose qu'on reste comme c'était avant. Oui et non. C'est ça. Est-ce que... Non. Si personne de seconde... Mais je sais, c'est pour ça que je propose un changement. Okay. Je prends un pilleur, ensuite les gens votent, okay. C'est tout. Est-ce qu'il y a un secondaire pour Mme Choignard? J'ai pas de secondaire. OK. OK, on continue. Prochaine proposition, voulez-vous avoir un oui, non et abstenir? Oui. Oui, mais... Oui. Abstenir et pas de vote. C'est ça. Mais que ça compte pas. Ça compte pas. On n'a pas le droit de faire ça, tu nous as dit. Non. Aller après ça, mais que le droit d'abstenir. On a trois votes. Oui, non ou abstenir qui compte à rien. On peut-tu avoir... C'est ça qu'ils veulent savoir. OK, monsieur le maire. Oui, c'est ça. Monsieur le maire, s'il y a 9 membres du conseil présents... Il faut qu'il y ait 9 oui ou non. Si non. Un des membres décide de s'abstenir, c'est simplement pour une raison, pour annoncer à ses citoyens qu'il s'abstient ou... C'est un message qu'on passe. Okay. Il est quand même compté pour un non. S'il y a un vote enregistré, à ce moment-là, dans les procès-verbaux, ça va être indiqué dans la colonne de non, abstient. On pourrait peut-être parler d'autre chose. Mais c'est quand même... Là, ça va d'après le livre de règlement. Ça, tu ne peux pas changer ça. Oui, mais... Monsieur le maire, si je me... Non. Micro. Yvon, je veux dire Michel. Oui, mais on peut l'enlever. On peut l'enlever. On peut l'enlever, s'abstenir, mais pourquoi on ne peut pas le remplacer par d'autres choses? Parce que tes deux seules options, c'est...
tu votes contre. Je ne sais pas si vous avez attendu, M. le maire, Mme Ouellette, ce qu'elle vient de mentionner. Oui. Dans le vote, quand ils l'inscrit, ils vont marquer « abstention », il va être écrit dans le procès verbal. Dans la colonne de nom. Dans la colonne de nom. Ça va être écrit « abstention si. ». Mais l'abstention est là surtout, c'est parce qu'il nous manque d'informations. On ne peut pas voter oui ou non. C'est la raison, puis c'est pour ça, là. C'est comme dit, là. Automatiquement, on vote non. Oui, ouais, l'affaire est, c'est que si vous, on garde l'abstenir là, ça dit à vos résidents comme quoi vous avez dit non, mais que vous aviez quelque chose contre. Il y avait une raison pourquoi vous avez voté non. Ils n'ont pas dit non. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça. Juste un petit commentaire. Envoyez voir, M. Zan. The Roberts Rule of Orders is not law. It's just a guide. Yeah, but it's so when we say the book says, it doesn't matter what the book says. It's just what that it's giving an explanation why you're saying that. Right, but what I'm saying, though, is to have the three options, that yes or no, or if I abstain, it's not because I don't agree. It's just I don't have the information right now to make a good decision. I think we should have the three options. That's just my opinion. It's not... Madame Ouellette? Il faut absolument que ça soit dans l'affirmative. Si ce n'est pas dans l'affirmative, ça ne compte pas pour adopter une résolution. Fait qu'automatiquement, c'est dans le négatif, qui est un vote contre. Peut-être que tu ne votes pas contre, mais tu ne votes pas pour. Puis il y a juste, tu ne peux pas être entre les deux. Tu as 9 membres du conseil, si tu en as 4 qui vont pour, 4 qui votent contre, puis tu en as un qui s'abstient. C'est certain que la résolution n'est pas adoptée, là. C'est l'avantage que ça finisse par un non, parce qu'une résolution, si tu ne veux pas qu'elle passe, bien, tu t'abstiens, ça compte comme un non. I was just going to say... It's sort of giving an explanation why you said no. You're not just saying no because you don't agree with it, you're saying no for another reason, and if somebody wants more information... They can ask, and you can say, well, I didn't have enough information, I didn't agree with it because of such a reason. Monsieur Matt? Oui, monsieur. Monsieur Matt, je pense que c'est très important qu'on puisse s'abstenir, parce que je regarde, là, ce qui est arrivé ce soir, lorsqu'une personne demande le vote, la discussion est finie, on ne peut plus poser une question ou quoi que ce soit. Bien, moi, je ne suis pas satisfait que je n'ai pas eu mes informations, je peux voter contre ou je peux m'abstenir. C'était ma décision. Oui, madame Choyenne. Mais comme ce soir, comme tantôt, il y a un membre du conseil qui a demandé que ce soit reporté, que ce soit discuté en d'autres temps. Ça n'a jamais été secondé, parce que ça n'a pas été demandé d'être secondé. Alors, puis après ça, on est passé au vote. Alors, ça c'est une situation qui est difficile. Il aurait fallu qu'une fois que un des membres du conseil avait demandé que ce soit reporté pour avoir plus d'informations, c'est là qu'il aurait fallu qu'on vote sur ça d'abord, puis ensuite, si ça ne passe pas, là, on passe à un vote. Mais là, on est allé directement au vote. Je pense que c'est ça qui a mélangé tout le monde ce soir. En tout cas, là, on est rendu à l'abstenir ou pas abstenir, hein, M. Grimard? Envoyez parler. M. Lalonde. Moi, je pourrais... C'est juste pour dire que Mme Simard avait déjà demandé pour un vote. C'est ça. Donc, j'appuie Mme Grimard dans son... Mme Simard dans son... Okay. Dans sa proposition, pour qu'on garde les Alors, trois options. Là, on va aller pour ce qui est suggéré ici. On vote, on peut s'abstenir, mais ça reste un non. Qui est un secondaire pour ça? Mme Simard. Qui est en faveur? Je veux juste... Qu'est-ce qu'il y a déjà là? OK, donc on vote pour tout, là. Oui. Le règlement de procédure au complet, c'est pas juste pour le... Là, vous avez... Non, juste la partie d'abstenir. Et il est déjà là. Il est déjà là, oui. On n'a pas besoin de voter pour. Monsieur le maire... Mais on continue la discussion jusqu'à la fin? Moi, je me trompe. Excusez. Monsieur le maire, il y a eu une proposition de Mme Chouinière pour faire un changement. Il n'y a pas eu de secondaire. L'amendement n'a pas été appuyé, donc ça tombe à l'eau. À moins que quelqu'un qui a une autre proposition, un autre amendement à faire, de la façon que le règlement est proposé, c'est exactement comme ça, avec l'opportunité de s'abstenir. Oui. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, il vous reste à voter pour l'adoption du règlement, à moins qu'il y ait d'autres points à soulever. Ils ont demandé un vote. Monsieur Lalonde, madame... Non, moi, je pensais que c'était en fonction de... Avez-vous demandé un vote, madame Simard? Oui, madame Simard. Il n'y a pas besoin d'en avoir, c'est déjà pour vous. C'est ça que madame Ouellette...
Pas besoin. On va voter en total. On vote seulement sur les choses qu'on fait, des changements, sur lesquelles on fait des changements. Continue, Mme Choyard. OK, le point 56.3 et le point 64. Dans vos notes ici, Mme Ouellette, vous indiquez que c'est enlevé complètement pour le Notice of Motions. Removed and retiré complètement, mais on le retrouve encore à 56.3 et à 64. Les points 56.3 et le point 64. Moi non plus, je n'ai pas ça. 56. Il n'y a pas de 56. Non, pas là, dans le. 56.3. Oui, c'est à la page. A mover may withdraw, c'est ça. Ça dit, a mover may withdraw his or her motion or his or her notice of motion at any time prior to being read. Alors, il y a ça, puis il y a l'autre endroit à 64 qui dit. Mais c'est toute la section 64, Notice of Motion. C'est 64.1, 0.2 et 0.3. Alors, c'est juste qu'il faudrait être consistant. Je comprends pas. Madame Chaudière, c'est 56.3. C'est juste parce que dans, vous avez les notes que vous avez données comme ça ici? OK. Vous faites référence que vous dites que les avis de motion vont être complètement enlevés. Là, maintenant, quand on regarde dans le règlement de procédure, à l'item 56.3 et à l'item 64.1.2 et 0.3, on parle de notice of motions, des avis de motion. L'intention, j'ai regardé vite fait, là. L'intention, c'est d'enlever la catégorie « avis de motion à la réunion régulière », mais elle demeure à la réunion du comité plénier. Donc, oui, on va se référer. Donc, ça ne devrait pas, là. Ce serait seulement pour la régulière. Quelqu'un n'aurait pas. On enlèverait l'aide de nous complètement. On l'a retiré pour la régulière, mais on la laisse quand même pour le comité plénier. À la régulière, alors, on n'a pas besoin. Il y aura une résolution, vraiment. Oui, parce que l'avis de motion est fait à la plénière. Oui. Ensuite, elle revient pour être votée comme résolution, considérée vraiment à la régulière. Oui. Yes, c'est ça. Alors, on n'a pas besoin de l'indiquer à l'item 64.1.2.3 à quel endroit qu'elle se fait. Non. Non. OK. Okay. Monsieur Zad? Une petite question, Mme Ouellette. Concernant les heures, parce que maintenant, on commence la réunion à 7h15. Après ça, à 8h, la réunion plénière commence. Si on n'a pas terminé la réunion régulière, parce que les heures sont très spécifiques, est-ce qu'on continue jusqu'à temps qu'on… Parce qu'on regarde aujourd'hui, on est rendu à 9h, puis on continue quand même. Alors, qu'est-ce qui arriverait si on dépasserait le 45 minutes? On n'a pas le choix de continuer. C'est juste pour savoir. Monsieur le maire, 45 minutes, c'est pas gros. Non, c'est pas gros. Moi, j'aurais mis une heure, là. Mais l'affaire, c'est que... Pourquoi qu'on ne l'essaye pas une fois, pour voir comment que ça va, puis après ça, on fera les planifications à mesure qu'on avance là-dessus, là. Madame Moyette. Ça me prend un petit peu de temps, là. Je vais juste revenir avec le commentaire qu'à la réunion régulière, vous allez considérer des sujets qui ont déjà été discutés à la réunion du comité plénier 2 semaines avant. Donc, la discussion comme telle va avoir été faite. C'est pas comme ce soir, vous avez eu des items que vous avez jamais vus ou qui a été discuté au comité d'aménagement, donc, ou à d'autres comités qui reviennent. Donc, tout le conseil va avoir déjà eu des discussions à ce sujet qui vont revenir à la régulière. Fait que la première réunion régulière,
Elle va être un peu comme ce soir où ça va être difficile de gérer tout ça. Si on regarde avoir une réunion régulière le 1er juin, tandis qu'à la réunion du comité plénier, là, vous allez avoir les sujets, les rapports qui vont être présentés pour considération à la régulière 2 semaines plus tard. Fait que pour le temps, je ne suis pas certaine qu'il va y avoir des difficultés tant que ça, Monsieur peut-être Grimaud. Au commencement. Oui, puis je pense juste pour abonder dans ce que vous dites, c'est important de considérer que l'agenda ne sera pas aussi pesant qu'il est dans une réunion ce soir. C'est important de comprendre qu'on va avoir 2 régulières par mois et j'assume que au niveau de la greffe, ils ne mettront pas un agenda qui va s'étirer pour 1h30, sachant qu'on a 45 minutes. Mais c'est certain que les premières, ça va être « controlled chaos ». Monsieur Zan, tu as une question. Juste par exemple, parce qu'on va inclure infrastructure, administration, va tout être inclus, aménagement, c'est quelque chose que pas tous les membres siègent dessus. Alors ça serait une autre réunion qui aurait peut-être plusieurs questions sur un comité d'aménagement. Parce que infrastructure puis administration va être éliminée. C'est ça. Oui. Mais aménagement va continuer. Alors, il y a plusieurs personnes, comme Mme Simard, s'il n'est pas sur le comité, va peut-être avoir des questions oui. sur le... Oui. C'est juste pour savoir qu'on va continuer. Puis, c'est ça. Je voulais juste faire sûr que les gens... Mais peut-être que je pourrais proposer pour l'aménagement, c'est que la réunion de l'aménagement va toujours avoir eu lieu après la réunion... régulière, une plénière. Alors, il faudrait qu'on ait l'occasion de discuter du dossier lors d'une plénière avant que ça passe à une régulière. Alors, si la réunion, par exemple, était le premier mercredi du mois, bien, ça ne serait pas la réunion suivante régulière où on voterait parce qu'on n'aurait pas le temps d'en discuter. Alors, il faudrait que ça soit à la plénière de cette qui suit. Notez ça, madame. Tant de minutes, là, parce que le petit crayon, il était à la planche. Je veux juste m'assurer que c'est bien ce que j'ai compris pour proposer de discuter l'aménagement. L'aménagement se passe à la plénière avant la régulière. Avant la régulière. Oui, Mme Ouellette. Je peux peut-être aussi ajouter que vous pouvez toujours, à 8h moins quelques, vous pouvez toujours différer la réunion pour continuer à la prochaine réunion régulière, les sujets qui restent, okay. S'il n'y a rien d'urgent, comme on a déjà fait dans le passé, quand les réunions Monsieur étaient trop tard. Avez-vous une question? Non? Autre question? Si on peut vous déranger, Mme Simard, est-ce que vous avez une question? Oui, Mme Chouinard. Le seul point, peut-être, que je verrais, qui pourrait prendre un peu de temps, c'est si, par exemple, lors de la plénière, on n'avait pas toutes les réponses à nos questions, puis que là, c'est quand même mis sur l'agenda pour la régulière, où on doit voter, puis que là, on doit, parce qu'on a de nouvelles informations, là, il va falloir qu'on en discute. Alors, ça peut être un problème. Mais encore une fois, je pense que ça va être important, quand vous faites l'agenda, M. le maire, de juste les mettre par priorité, peut-être, oui. Identifier les dossiers que ça doit être absolument. On demandera à la greffière de faire certain que c'est ça. Est-ce que vous voulez proposer cet amendement, madame, que l'aménagement de territoire soit amené à J'aimerais proposer que la réunion, que l'os... L'aménagement soit amené à plénière. Que les sujets discutés à la réunion de l'aménagement du territoire passent à la réunion du comité plénier avant d'être adopté à la réunion régulière. Monsieur Michaud. My initial thoughts are, is that even legal? I don't know, under the Planning Act, if you can have another... what basically becomes a public meeting after the original public meeting under the Planning Act. I don't know if that's permitted. That's my only question. No, this is just like a... Est-ce qu'on a une réponse là-dessus? Est-ce que... Monsieur le maire, je peux vérifier. Cependant, la réunion qui est mandatée par la loi sur l'aménagement, elle va avoir lieu, on dérange ça, pas. Ça va avoir lieu quand même à la réunion du comité d'aménagement où le public va être invité à faire leurs commentaires. Ce qui va arriver, c'est qu'au lieu de considérer directement la réunion régulière, c'est la discussion entre les membres du conseil qui va avoir lieu. Juste comme ça, là, je pense que vous êtes correct avec ça, pourvu que vous ne demandez pas les commentaires du public puis vous n'acceptez pas
les commentaires du public à la plénière. Ça va être bien important que les questions ou les commentaires des gens du public ne sont pas acceptés lors de la réunion du comité. C'est une question spécifiée comme quoi que les commentaires devraient être faits à l'aménagement de territoire seulement. Exactement. Rendu à la plénière, il n'y a aucun commentaire qui est accepté du public et que ça sera voté à la régulière. Je pense que si c'est fait de cette façon-là, ça serait correct, mais on va quand même vérifier, là, M. Michaud et moi-même. Oui, pas de problème. S'il y a un problème, on le ramènera après. Alors, proposé par Mme Chouanière, est-ce qu'il y a un secondaire? M. Grimard, est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. OK. On continue. Êtes-vous satisfaite? Non? Oh, la plume est dans les airs. Oui. Pour toute la procédure. Okay. Est-ce que j'ai... S'il n'y a pas d'autres amendements... La première chose, c'est pour les réunions. Après ça, c'est l'autre pour l'aménagement de territoire qui vient à plénière. Alors là, j'ai besoin d'un proposeur pour tout le règlement de procédure, M. Lalonde. Un secondaire, M. Lalonde encore, junior. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Avec toutes les résolutions, avec les deux résolutions qui ont été changées. OK? Bon. Maintenant, 26. McDougall. Est-ce qu'on a voté? Oui. On vient de voter. Oui. Monsieur Grimard, la réunion est entre tout le monde, pas juste vous deux. Non, non, je suis honnête. Je ne suis pas sûr que ça avait été bien fait. Je m'excuse. Alors, je vais vous demander le vote pour le règlement de procédure au complet avec les deux amendements. Tout le monde en faveur? Et voilà. C'est passé. Oui. Vous deviez peut-être changer votre montre de bras, monsieur. Ça serait peut-être plus facile de votre bras. Je n'ai pas compris, monsieur. Hey, regarde-moi pas, vous pas. Oui, monsieur Lalonde. Je ne sais pas si c'est une... Marie, je ne sais pas si tu pourrais peut-être nous aider avec... Lorsque les dates vont être finalisées, puis tout ça, faire certain que... Est-ce que tu pourrais mettre ça dans tous nos agendas respectifs? Parce que c'est plus facile peut-être pour toi de le faire avec toutes les emails municipaux council. Puis comme ça, nous, on aurait juste besoin de gérer ça à travers là. Je ne sais pas si c'est possible. OK. 12.6, McDougall Bridge. Monsieur Simoneau, c'est tout à vous. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte que le pont McDougall situé sur le chemin Indian Creek et datant de 1928 soit remplacé par un pont modulaire tel que recommandé et qu'il soit également résolu qu'un budget de 340 000 $ soit approuvé pour le remplacement de la structure et les réparations et qu'il soit finalement résolu que le montant de 340 000 $ soit financé par emprunt. Un secondaire. 360. Elle vous a donné une résolution modifiée parce que le 360 000 n'allait pas avec le montant qui est au rapport, monsieur. C'est juste. Ça n'avait pas été amené pour modifier l'agenda. C'est pour ça que je ne l'ai pas. C'est juste le. Ça l'est ici, là? Okay. Oui. Merci. Oui, Mme Chouanière. Mais ça disait 240, mais il y avait 100 000, je crois, qui était pour... 100 000, c'était pour le ciment, chaque oui, bord. C'est pour ça qu'on c'est a ça. 240 plus 100 000, ça donne... C'est ça, ça fait 340 000. Mais j'ai juste vous dire, c'est parce que le 100 000, c'est ça, c'était séparé. Oui. C'était deux montants de séparés. Oui. Parce que dans l'ordre du jour, on avait 360 000. Un secondaire. Monsieur Levert. Question. Oui, M. le maire, comme qui a été mentionné, lorsqu'on en a discuté auparavant, c'est à 240 000. On a reçu une autre feuille, c'est à 360 000. Ce soir, ça tombe à 340. Mais on a fait une demande au gouvernement provincial pour avoir des octrois. On sait que le budget, ça fait pas longtemps qu'il est passé. Les programmes ne sont pas sortis. Moi, j'ai vu très souvent dans le passé... des municipalités qui attendaient ou bien non, qui procédaient immédiatement. Rutland en est une,
pour un projet de 6,4 millions qu'on n'a pas attendu que deux mois après, on a eu les subventions en sortie, mais on était trop tard, on avait commencé le projet. Là, actuellement, on a demandé au ministre, à notre député puis au ministre pour une rencontre pour discuter. C'est un point urgent. Moi, j'ai été visiter encore la place hier. Je l'ai même mesuré. Son entrée est à 31 pieds du pont, du début du pont, 77 pieds du centre du pont. Et puis, lorsqu'on parle pour vidange, il y en a qui doivent emporter les vidanges bien plus loin que ça. Même moi, c'est à peu près 50 pieds que je dois apporter les vidanges. Donc, je sais pour la protection d'incendie, vous allez me dire, le camion ne peut pas traverser, mais je pense que souvent, les camions ne peuvent pas aller si proche que ça de la maison. Comme j'ai dit, le milieu du pont est à 77 pieds. L'affaire est, madame, je crois que le pont est rendu quoi? 2 tonnes, M. Miranda, qu'on a droit? 2 tonnes, un auto. Il y a des grosses autos qui pèsent autant. Auto, mais j'ai pas calé. Ouais, mais c'est un petit auto, là. Il pèse pas grand-chose, une BM. Je le sais, mais l'affaire, c'est qu'on le sait qu'éventuellement, ça va venir au point que rien ne va être capable de passer dessus, même juste des VTT. Monsieur Zant. Moi, je crois bien qu'on devrait attendre au moins. Moi, j'ai pas de problème à attendre si tout le monde tente, monsieur. J'aimerais juste savoir, quand est-ce qu'on a discuté ça? Parce que la dernière fois qu'on avait, on avait dit on va le remettre, parce qu'on avait, moi je me rappelle, j'ai eu le feu un peu parce qu'il n'y avait pas personne qui n'avait discuté. Mais il semble que c'était supposé de revenir à un plénier. Je ne me rappelle pas qu'on a vraiment discuté pourquoi, comment, de toutes les parties de se faire ce pont-là. Si on vote pour ce soir, j'aimerais que quelqu'un explique aux citoyens pourquoi qu'on va dépenser 340 000 $ sur un pont qui mène à une maison. J'aimerais juste faire sûr que c'est clair et précis. Oui, M. Levert. M. Zant, je suis d'accord, il y a juste une maison. Quelqu'un pourrait-tu m'expliquer, par contre, sur le pont Bouvier, qu'on va dépenser 1 million de dollars, où il y a quand même 2 autres accès où on peut y aller, et cette maison n'a aucun accès. Quelqu'un pourrait m'expliquer ça, peut-être? Parfait. M. Simoneau ou M. Ces gens-là, en 1977, ils ont construit leur maison suite à une décision de la CAMO qui forçait la municipalité à leur donner un accès. J'aimerais avoir le rapport de la CAMO. Je voudrais juste faire sûr que c'est clair pour tout le monde. Parce qu'on va prendre un vote ce soir pour 340 000 $ ça pourrait en paver des chemins aussi. Moi, puis, je suis un peu d'accord avec M. Lalonde ici. Là. On a envoyé une lettre, on attend une réponse. Peut-être qu'on peut la remettre au moins pour un mois. Voir si on va avoir une réponse. S'il y a de l'activité, on peut rencontrer M. Grant Crack, voir si ça vaut la peine, s'il va y avoir quelque chose dans ce genre-là, un octroi de quelque sorte. Je ne sais pas. On a demandé de rencontrer le ministre lui-même. Oui, la lettre est envoyée comme quoi qu'on voulait rencontrer le ministre, puis c'était urgent. On a même mentionné qu'on descendrait à Toronto, aller rencontrer le ministre pour voir si on était capable d'avoir de l'argent des autres. Je pense qu'un mois ne fera pas plus mal que ça. Madame Choignard. Je ne connais pas tellement cet endroit-là, là, les environs en arrière, mais il n'y a pas moyen d'avoir une route d'urgence pour les non, camions pompiers, tout ça? C'est un chemin de bois, vraiment. Le chemin de bois, c'est le chemin de comté, mais il n'est pas vraiment entretenu pour du trafic. Puis après ça, vous avez l'autre chemin qui descend en bas, là, qui était barré en haut de la côte, sur le chemin de comté. Mais je parle surtout pour des situations d'urgence, seulement pour des urgences. Non? OK. En été, quand c'est bien sec, on n'a tout bien pas de problème, mais c'est quand on arrive au printemps ou même en hiver, il n'y a rien qui est nettoyé. Là. OK. Puis il y a de côtes, hein, il y a des méchantes côtes en arrière. Là. OK. Ça serait difficile pour quelqu'un de rentrer là avec une ambulance, quelque chose de même. Oui, M. Levert. Puis juste, peut-être juste une chose aussi, pour le pont sur Bouvier, ça mène aussi à des commerces. Alors, c'est un peu pour ça aussi. Les gens ne feront pas faire un grand détour pour aller au commerce. M. Levert. Je suis d'accord, M. le maire. Moi, personnellement, à ce qu'on attend d'avoir des résultats, je n'étais pas au courant qu'on avait envoyé une lettre au ministre. Entièrement d'accord. Je pense pas que le pont va s'effondrer dans un mois. Les seules où les chances sont que peut-être qu'on va nous obliger à fermer le pont. C'est peut-être ça qui est l'inquiétude. Peut-être que M. Miranda a d'autres informations là-dessus. Je
Je pense qu'il n'y a pas grande information comme c'est là. Monsieur, il faudrait faire une inspection. Non, monsieur le maire, ce que vous avez présentement, c'est les dernières informations. Okay. Monsieur Lalonde? Simplement pour ajouter à la discussion que c'est beau si on attend un mois, puis on attend voir s'il y a des développements du côté du gouvernement provincial pour des fonds, mais combien de temps est-ce qu'on a besoin, nous, si, mettons, on réalise qu'on n'a pas des fonds qui viennent du gouvernement, comment de temps qu'on a besoin pour faire ces réparations-là, pour ne pas être obligé de fermer le pont et l'accès à ces résidents-là pour l'automne et puis l'hiver? Moi, c'est la seule, vraiment, c'est juste pour m'assurer que s'il y a des choses à faire cette année, qu'on soit capable de les faire d'une façon ou d'une autre. M. Simoneau. C'est entièrement ma crainte, monsieur le maire. On regarde aujourd'hui, on est à la fin, presque la fin mai. On se donne un mois, on arrive à la fin juin. Tout le monde est censé être en vacances. Si je me souviens bien, même Mme Soignard est partie dans l'Ouest en juillet. On ne siège pas en juillet. Alors, si on arrive, on va prendre une décision au mois d'août. On n'aura plus le temps là, de changer le pont là, avant l'hiver. Là. Ça prend quand même un certain montant de temps. Il faut quand même prendre une décision un jour. Monsieur le maire, si on prenait suite immédiatement, si le ministre a reçu la lettre, et puis s'il y a quelqu'un qui est en train de la regarder, on peut-tu s'avancer? À moins qu'on attende la prochaine réunion, qui est dans deux semaines, voir si on a eu quelques nouvelles. On peut-tu s'informer? Y a-t-il moyen d'appeler le ministre? Monsieur Lalonde. On l'a fait la semaine passée. Je crois que c'est jeudi ou vendredi, je me suis rendu à l'hôtel de ville. On a fait sûr d'appeler le bureau. Et puis, voir s'il avait bien reçu, parce qu'on a rencontré M. Crack à peu près une semaine et demie de passé. Puis, il disait qu'il ne l'avait pas eu, puis je le sais que la ville l'a envoyé. J'ai été visité, puis on a appelé Jérémy, puis il a dit qu'il avait eu le bureau de Grand Crack. Mais aussi, là, il faut dire, dans le budget, il y a 2,6 milliards pour les routes et les ponts. Ça veut dire, puis quand un budget est passé, là, il ne commence pas le lendemain tout de suite. Il faut qu'ils établissent toutes les normes, les règlements. Je pense pour peut-être un bon compromis, on pourrait peut-être proposer de différer cet item-là jusqu'à la réunion en juin. Si on n'a pas de nouvelles, on vote, puis on passe à l'action. Alors, je propose de différer cet item-là jusqu'à la réunion du 1er juin. Oui. Et si on n'a pas eu de nouvelles, on passe au vote. C'est bon là. Oui, secondé. Suzanne? Oui. Donnez nos commentaires. Oui. Entre-temps, est-ce que le département ne peut pas quand même prendre l'avance avec, ou si on est prêt déjà, les soumissions, tu es rentré déjà? Ou? Mais tu ne peux pas aller en soumission si on vraiment. On n'est même pas prêt. OK. Juste une question, je ne sais pas. Non. Alors, on diffère ceci à la prochaine réunion. Oui. Oui, proposable, M. Grimard. Secondaire, M. Zan. Tout le monde en faveur? Merci. Voilà, c'est pas plus long que ça, M. Grimard. Modulo 13, les règlements. Qui connaît ça? C'est pas M. Grimard qui fait ça? Oui, Mme Chouinard. J'aimerais retirer 13.1 de la liste. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 13.2/2015-49 pour autoriser la signature d'une entente avec la résidence Saint-Mathieu de Hammond pour l'infrastructure souterraine pour l'écoulement de l'eau pluviale. 13.3, item 2015-50, pour autoriser la signature d'une entente avec Sierra Planning and Management pour mener le projet du plan directeur ou du plan du directeur des loisirs, Mme Saint-Pierre? Plan directeur des loisirs. Item 13.4, 2015-51, pour adopter un règlement pour la désignation de terrains non assujettis à la réglementation de parties de l'eau Croissant Marble, bloc 280, plan 50M-308, situé à l'intérieur du projet Croissant Marble.
Item 13.5-2015-54 pour autoriser la signature d'une entente avec Fred Charon Painting pour la peinture de l'aréna de Clarence Creek. 13.6-2015-55 pour autoriser la signature d'une entente avec Landrock Excavation pour des travaux d'infrastructure au parc du village Morris. Finalement, 13.7-2015-58 pour adopter un règlement pour la désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de l'eau rue Nathalie, bloc 1, plan 50M-310. Un secondaire. Monsieur Zant. Question? Non, non, pas. Tout le monde en faveur? Et voilà. On revient à 13.1. Madame Chouanière. Qu'il soit résolu que le règlement 2015-24 pour établir les taux de location pour les surfaces de béton et un taux pour les rampes à bateaux, pour les tournois de pêche et les activités spéciales au parc du Moulay. Secondaire. Secondé. Monsieur Lalonde. Question, Mme Chouanière. Je ne sais pas pourquoi, comment on va gérer, encore une fois, pour, je trouve que c'est bien donc on n'ait pas de frais pour les citoyens, pour les rampes à bateaux. Je pense que c'est excellent. On veut encourager parce qu'il y a quand même des retombées économiques importantes dans, à Rockland. Mais je pense que juste essayer de gérer qui va, sont les vacanciers qui vont être au quai et qui va faire partie, qui va faire partie des tournois de pêche ou des activités spéciales, ça va être difficile. Alors, je me demandais si ce serait plutôt plus facile que si, par exemple, il y a un tournoi de pêche qui est organisé, que les organisateurs disent combien de membres participent et une facture est envoyée tout simplement à l'organisation, puis eux incluent ce montant-là dans le montant de leur permis de pêche. À ce moment-là, ça ne nécessite pas que nous, on est quelqu'un qui doit gérer, faire la surveillance là-bas. Je pense que la surveillance, si je me rappelle bien, hein, M. Rivard, si je me rappelle bien, les tournois de pêche, c'est parce qu'on envoyait la réglementation à cause des stationnements, les trailers, ci puis ça, quand il y avait des tournois de pêche. On était présent à l'occasion là, pour aider un peu avec la circulation à l'intérieur du site, là, mais à part de ça, on était extrêmement limité. On n'était pas impliqué plus que ça. Là. Oui, Mme Lefebvre. Donc, pour répondre à Mme Chouanière, c'est qu'au niveau des tournois, les gens sont inscrits au tournoi. Donc, pour s'assurer qu'il n'y a pas de congestion sur le terrain, et à cause des tournois, il y a aussi beaucoup de nettoyage à faire sur le terrain. Donc, c'est important d'avoir un employé sur le site durant ce temps-là. Et c'est en même temps qu'ils vont prendre les frais de débarcation seulement des gens qui participent au tournoi. Mais c'est des gens, on voit l'inscription, donc on voit que ces gens-là sont inscrits au tournoi. Oui, je comprends, mais j'essaie de faciliter la tâche pour que la personne, l'employé, parce qu'on parle d'un employé ou d'un employé seulement, alors pour faciliter la tâche, ça serait beaucoup plus facile que ça soit géré pour la distribution des passes, là, pour les frais. Chargé tout simplement à l'organisation qui organise le tournoi ou l'activité spéciale. Mm. Puis à ce moment-là, la personne qui est l'employé de la municipalité n'a pas à aller à chacun là, pour aller collecter un montant d'argent. C'est définitivement une bonne proposition. C'est quelque chose qu'on pourrait implanter. OK, pas de problème. Exactement ce que j'allais dire, c'est que la proposition de conseillère Chouanière... C'est la plus facile parce que lorsqu'ils vont s'inscrire pour le tournoi de pêche, ils font la perception du 40$. Puis notre employé qui est là pour surveiller, ils vont leur donner une passe ou bien une carte. Puis là, il faut juste s'assurer que la carte a été achetée avant de descendre la rampe. C'est surtout pour permettre que s'il y a d'autres visiteurs qui veulent débarquer, mais il n'y a pas à gérer les deux là. C'est bon? Faites votre proposition, Mme Chouanière. Oui. C'est tout ce qu'on fait en ce moment, par contre, c'est qu'on identifie le taux. Donc, la méthode
méthode, nous, c'est bon. J'ai pas de problème à ce qu'on on va facturer l'organisateur 17 $ par bateau. Donc, c'est vraiment le règlement, c'était pour établir le taux de 17 $. Fait qu'on laisse comme ça. Vous vous arrangez avec le restant. C'est bien. Proposé par Mme Chouanière, secondé par M. Lalonde. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Question au directeur. M. Simoneau, voulez-vous commencer? M. Maranda, la bas poussière, je m'imagine qu'on commence bientôt. L'application de la bas poussière, juste. C'est exact, M. Simoneau. Ça commence dans les prochains jours. Je dois confirmer si les demi-charges ont été levées. Mais s'ils sont levés, c'est cette semaine. Je croyais que j'avais vu les camions passer aujourd'hui des transports. Ouais. Oui, je voulais juste vérifier, mais je crois qu'ils ont été levés. Puis d'une journée à l'autre, j'ai eu une conversation ce matin, la bas poussière s'en vient. J'ai juste un commentaire, par exemple, pour le calcium, ça a été fait sur Baseline, mais de chemin Rollin à chemin Division, il n'y a pas personne qui vit là. Puis ça l'a quand même été fait. Est-ce qu'il y a une raison? Même s'il n'y a pas de résident? C'est en général, oui. Même s'il n'y a pas de résident, c'est aussi simplement pour quand vous passez. C'est ça. Puis il faut se souvenir que le vent aussi peut porter très loin de la poussière. Normalement, on le met à travers le territoire. C'est plus facile à gérer aussi, mais c'est une meilleure qualité. Donc, dans la même veine, vous attendiez sûrement la fin des demi-charges avant de débuter le processus de... mettre de la terre et des semences sur les bords des chemins. Comme je vous avais envoyé un courriel avec une série de chemins que les citoyens m'avaient... Oui, je m'excuse. Ça, c'est en cours. Ce que vous m'avez envoyé, j'ai fait une requête. Ça devrait être fait. C'est à travers le système. M. Lalonde. La même chose que Mme conseillère Simard. J'ai vu que Baseline avait été faite. J'espère que Poupard va être faite dans un avenir approché. Il faut se souvenir qu'on avait déjà mis un peu de calcium sur Poupard. Et oui, c'est sur la liste. Vous allez voir que lorsqu'on met le calcium, c'est pendant toute la journée. Là, ça ne s'étirera pas sur un mois. Vous allez voir que dans pas longtemps, tous les chemins vont être faits. Je pensais que j'avais vu, mais le 30 de juin, ça va là, Jean-Marc. Hum? 30 de juin, ça va sur Poupard. Qu'est-ce qu'on va faire? Mettre la bas poussière. Oui, bien, Chagnon. Moi, c'est une question à M. Maranda aussi. Je vous avais demandé à la dernière réunion si vous faisiez des études pour vérifier l'état de l'eau de surface ailleurs que de cet enfouissement. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous le faites? Je ne vous ai pas oublié. C'est toujours sur ma liste. Je vais vous revenir là-dessus. C'est quelque chose qui est sur ma liste à faire. Alors, merci. M. Levert. M. Maranda, je ne sais pas si c'est une question. Deux résidents sont venus me voir de Cheney. Malheureusement, je ne me souviens pas du nom de la rue. Lorsqu'on descend vers le chemin Russell, il y a une nouvelle de grand tronc, subdivision, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là. La première rue, la nouvelle subdivision. Hmm? Oui, c'est ça. Et puis, les résidents du chemin Drouin, qui vont à pied doivent prendre le chemin Russell pour se rendre au parc, le parc sur Grand Tronc, le parc Cheney. Ils se demandent s'il y a une possibilité, je ne sais pas si c'est dans le plan de la subdivision, d'avoir une piste qui part de ce chemin-là pour se rendre, c'est pas loin, pour se rendre au parc. Est-ce qu'il y a du terrain qui est alloué pour ça? C'est une question que les gens me demandent. Ça, M. Levert, je dois me rediriger un peu à l'aide de M. Michaud, parce que je dois vous avouer que je ne suis pas capable de répondre à votre question. OK. In the fullness of time, we'd like to connect Grand Troc with this plan, the subdivision in some way, shape or form. Unfortunately, the lots for along Chemin Fire aren't selling very well. So that connection would be in phase three of the project. And we're only in phase one now. So in the fullness of time, yes.
That doesn't stop the municipality from discussing with the property owner for a small pathway to be put in to connect those two, so that they don't have to walk all the way around. They can make a more direct route to the park. The thing is not about walking around. There's no problem with walking around. That's why they're doing that for exercise. It's just along Russell Road, which is the problem, especially with a carriage and children. That was the main thing. So it is in the plan, though. Correct. Yeah. Thank you. Autre question. Madame Simard. C'est encore un commentaire. J'étais au parc du Moulin hier. Les quais sont pas. Il y en a deux qui sont rentrés. Les autres sont pas encore rentrés. Est-ce qu'on attend que le niveau d'eau il descende avant de le mettre? Ça, c'est point un. Puis point deux, ça serait pour M. Rivard. Peut-être envoyer Baila plus souvent parce qu'on a vu du monde qui buvait de la bière. Et aussi quelqu'un qui. Bien, du monde qui faisait de la pêche sur les quais. Puis je vois sur les notices qu'on n'a pas le droit de faire ça. Madame Lefebvre, voulez-vous répondre pour les quais? Bien, au niveau des quais, ça devrait se compléter bientôt. C'est sûr que souvent, on attend pour voir la rivière du Nord, si le niveau d'eau va monter ou non. Mais ça semble être une bonne année. Donc, par la fin du mois de mai, on espérait là, de pouvoir avoir tous les quais. Merci. Autre question? Monsieur Rivard? Monsieur Rivard, si on peut vous déranger une autre fois. C'est vrai que j'ai fini. J'ai pas de muffin à vous donner, par exemple, ma soirée. C'est bon. Oui, écoutez, c'est sûr là, que les agents sont supposés de faire des patrouilles. Là, alors, je vais quand même leur laisser savoir là, d'être peut-être un petit peu plus vigilant, surtout les fins de semaine, durant le beau temps. Okay. Autre question? C'est tout? C'est bien? Est-ce qu'on retourne au huis clos pour décider la prochaine date? Pas d'autres questions. OK. Alors, je remercie les gens de la télé. On s'en va en huis clos. Alors, c'est bonsoir pour tout le monde. I'd like to say good night to everybody. We are now going back to off camera. Thank you. Proposé par M. Zan. Oui. M. Simoneau. Pour le huis clos. Oui. Je propose. Même sujet, oui. Trouver une date. Tout le monde en faveur de le huis clos. Merci.